Monseigneur, mevrouw, heren ministers van staat, dames en heren vertegenwoordigers van de erediensten en de vrijzinnigen, beste collega's, beste jongeren, dames en heren. Er zijn veel zware lasten die een mens soms in zijn leven moet dragen. Maar er zijn er zo weinig ingrijpend, zo drukkend en zo zwaar als eenzaamheid. Eenzaamheid, volledig afgesloten zijn van de buitenwereld, niet samen op stap kunnen gaan, niet samen naar het theater kunnen gaan, niet samen kunnen gaan sporten, zonder vrienden, zonder familie, enkel maar alleen zijn. Collega's, je wenst het eigenlijk niemand toe. En toch, en laat ons zeggen helaas. Helaas zijn heel veel van onze landgenoten de afgelopen 2 jaar heel fel geconfronteerd geweest met eenzaamheid. En we hebben heel wat schrijnende verhalen gehoord. En laat ons eerlijk zijn. Ik denk dat we allemaal ook al eens geconfronteerd geweest zijn met die eenzaamheid. Dès mars 2020, tandis que le personnel soignant luttait héroïquement contre le coronavirus, le gouvernement a été contraint de limiter nos contacts sociaux. C'était très dur. Tous nos repères ont semblé soudain remis en question. La population allait connaître une rude épreuve marquée par l'angoisse, marquée par l'incertitude. Pour les plus chanceux d'entre nous, les journées furent rythmées par les courses alimentaires, la préparation des repas et une saine pratique sportive en plein air. Nous avons heureusement rompu l'isolement en nous emparant frénétiquement des technologies de la communication. Ce fut le temps du télétravail obligatoire et des vidéoconférences improvisées. Nous avons surtout pris conscience de notre fragilité intérieure en régénérant l'attachement au lien social. Nul n'a pu vraiment se dérober à une introspection sur le sens de l'existence. En het is natuurlijk op die momenten dat je gaat nadenken. De pandemie heeft het leven, zoals we het kennen, volledig, maar echt volledig op zijn kop gezet. En het heeft bij ons allemaal vragen opgeroepen. Vragen over zingeving, vragen over onze maatschappij, vragen over onze plaats in die maatschappij. En het zijn ook vragen waar u een antwoord op zoekt. En het is echt mooi om te zien en om te horen dat mensen die antwoorden ook vinden bij uw organisaties. 2 jaar eenzaamheid is zwaar. En elke manier waarop mensen zich minder alleen voelen, is een stap in de juiste richting. Een stap naar mentale rust, een stap naar welzijn. Maar we moeten ook verder durven kijken. Parce que certains citoyens ont toutefois vécu encore plus douloureusement le confinement. Je pense aux personnes sans abri, aux moins nantis, aux victimes de la fracture numérique. Vous-même avez ressenti une blessure due à la limitation du nombre de fidèles autorisés à participer aux cultes et activités philosophiques non confessionnelles. Permettez-moi d'attirer également votre attention sur la détresse des artistes, dont l'activité a été réduite presque à néant. Ils étaient désemparés. Comme vous, ils ont eu le sentiment que l'État leur accordait moins d'importance qu'à différents secteurs de l'économie marchande. Je tiens à dissiper ce malentendu. Net als cultuur is ook levensbeschouwing een beschermd en heel belangrijk onderdeel van ons sociaal weefsel. En zeker in tijden van crisis. Net dan moeten we mensen samenbrengen. Net dan moeten we kunnen samen praten, lachen, zingen. En ook al kan het niet even fysiek. En net daarom ben ik zo blij om u vandaag in deze prachtige Senaat te mogen verwelkomen. En net als mijn voorgangster Christine de Vrenje in 2017 heb ik de erencolloquium van de Federale Interbeschouwelijke Dialoog te mogen openen. En u bent samengekomen om te bevestigen hoe belangrijk uw overtuigingen voor u geweest zijn om de moeilijkheden van de afgelopen 2 jaar door te komen,
om de eenzaamheid van diegenen rondom u mee te helpen doorbreken. U bent hier om te praten, u bent hier om te luisteren, maar u bent vooral hier ook om te leren van elkaar. En dat is nobel. En ik ben heel trots dat deze Senaat het vandaag mogelijk kan maken. Dames en heren, beste organisatoren, ik ben vooral geïntrigeerd door het concept waarvoor u kiest. Want u kiest niet alleen ervoor om verschillende levensbeschouwingen samen te brengen, maar u kiest er ook voor om verschillende generaties samen te brengen. U kiest ervoor om de ouderen en de jongere burgers van ons land in de kijker te stellen. Als ouderen, maar natuurlijk in leeftijd dan toch. Laat ons zeggen, de minder jongeren. Het blijft natuurlijk altijd maar een getal. Zullen Marc Eyskes en Philippe Busquin, twee Belgische prominenten, zo dadelijk het woord nemen. Zij zullen ons vertellen over hun overtuigingen en hoe die hen hebben geholpen om de lockdown door te komen. En vooral wat zij hieruit geleerd hebben. En daarna komen de jongeren aan bod. 8 jongeren zullen hun getuigenis geven via video. En dan volgen nog 8 andere getuigenissen en zal het debat geopend worden op al uw vragen. Een debat dat ongetwijfeld opnieuw voor zeer interessante inzichten zal zorgen. En uiteindelijk zal het de heer Vincent van Quickenborne zijn die de eer zal hebben om deze studiedag te concluderen. Dus ik wens u een heel fijne namiddag toe en ik dank u heel hartelijk voor uw aandacht. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, voor uw mooie woorden. Au nom du FIDIF, le dialogue interfictionnel fédéral, je tiens d'emblée à vous remercier, Madame la Présidente, pour l'hospitalité que nous offre encore une fois le Sénat aujourd'hui. De fédéral interconfessionnel dialogue, FIDIF, is ook dankbaar voor de goede samenwerking met de diensten van de Sénat. Je salue respectueusement les Altesses royales, le prince Laurent et la princesse Claire, en les remerciant pour leur présence. De FIDIF is ook hun majesteiten koning Albert I en koningin Paola zeer erkentelijk voor hun steun voor ons colloquium. De koning en de koningin waren er graag bij geweest. Helaas heeft een klein ongevalletje, een akkefietje, hopen we toch, die plannen gedwarsboomd. Nous espérons tous que la reine se porte mieux et nous la souhaitons le meilleur pour son rétablissement. Peut-être que leur majesté nous regarde par le biais du live stream et nous les saluons dès lors également respectueusement. Maar ongetwijfeld zullen de prins en de prinses die koning Albert II en koning Paola hier vertegenwoordigen, zo vriendelijk zijn de erkentelijkheid, het respect en de wensen voor een spoedige beterschap van ons allen aan hun majesteiten over te maken. Ik freue mich auch, Sie allen grüßen zu dürfen. Sie, die Sie hier in diesen Hemisphäre des Senats sind, aber auch Sie, die Sie dieses Kolloquium über den Livestream erfolgen. Wij hebben gevraagd om het thema van onze bijeenkomst in te leiden aan 2, zoals mevrouw de voorzitter het zei, minder jonge jongeren. 2 eminente sprekers, ministers van staat. Zij zullen voor ons een eerste inleiding geven op de vraag van deze middag. Nous écouterons donc dès lors leur témoignage par rapport au thème de ce colloque. Le Covid et le confinement, comment la jeunesse, eux-mêmes donc, et les seniors, eux sans doute aussi, de notre pays ont-ils vécu ce confinement et dans quelle mesure est-ce que leurs convictions spirituelles et ou philosophiques furent une source d'inspiration. Ik heb de eer om eerst minister Marc Eyskens aan het spreekgestoel te uitnodigen. Een voorstelling is wellicht niet meer nodig. Professoren gaan op hun 65e met emeritaat. Le professeur Eyskens est émérite et ne fait plus rien, dit-on, depuis plus d'un quart de siècle maintenant. Je viens de m'informer, il est à 66 livres, mais le 67e est attendu incessamment sous peu. Intussen
eerst graag het woord aan minister Eyskens over ons thema. Monseigneur, mevrouw de voorzitter van de Senaat, zeer geachte dames en heren, collega's, goede vrienden. Voor mij is dit een begenadigd moment. Eindelijk krijg ik de gelegenheid om samen met u na te denken over het essentiële. Heeft het leven een zin? Zou het kunnen zijn dat de zin van het leven erin bestaat de zin te zoeken van het leven? En als we dat doen, helpt dat dan ook om elkaar te verstaan, om beproevingen door te maken, om vreugde te beleven, om zin te geven aan wat gebeurt, om zelf over te gaan tot zinstichting met andere mensen. Zou het kunnen dat het maar mogelijk is met andere mensen en nooit zonder? Je est un autre, leerde Rimbaud. Voor mij is dit een begenadigd moment. Ik heb in mijn leven het vooruit gehad 10.000 vergaderingen bij te wonen in binnen- en buitenland. Ik ben lid geweest, samen met Philippe Busquet trouwens, van geloof ik 13 regeringen gedurende 16 jaar. Ik ben lid geweest van het federale parlement gedurende 25 jaar. Ik heb lesgegeven aan de universiteit gedurende 30 jaar. Ik heb duizenden studenten onderdracht. Maar nooit werd mij gevraagd in een discussie: gelooft u in het leven na de dood? Is er voor u leven voor de dood? En wat doet u dan met dat leven? Tot wat dient dat? We streven naar waarheid, maar wat is waarheid? We willen het onderscheid maken tussen goed en kwaad, maar wat is dat onderscheid en wie beslist daarover? Misschien is het zo dat ik zelf in kerkdiensten die ik vaak bijwoon, af en toe wel eens iets lees en iets hoor dat te maken heeft met zingeving. Maar het is zo, en ik denk dat dat geldt voor veel levensbeschouwingen, dat het geformuleerd wordt met metaforen en allegorieën die niet helemaal aangepast zijn aan het huidige tijdsgebeuren, omdat ze reeds geschreven zijn 1000, 2000, 3000 jaar geleden, toen de mensen ook zochten naar de zin van het leven. En er is dus nood aan een nieuwe taal, een nieuwe formulering. De Homo sapiens noem ik vaak de Homo interrogans, de vraagstellende mens. Ik denk dat we maar echt mensen zijn als we vragen stellen. En niet als we antwoorden uitschrijven. Dat we mensen zijn als we vraagtekens zaaien. En niet als we uitroeptekens planten. Dat we meer mens zijn als we enige twijfel uitdrukken. En minder mens zijn als we elkaar bestrijden met gelijkhebberij. Daarom is deze bijeenkomst zo belangrijk, dacht ik.
De mens is natuurlijk een evoluerend leven. En we hebben allemaal Darwin bestudeerd. We weten hoe het allemaal geëvolueerd is. Wij weten dat de evolutie gedetermineerd is door de wet van de selectie, door de struggle for life and the survival of the fittest, zeg maar door toch enig egoïsme, individueel en collectief. We moeten ons verdedigen en vechten. Dat zegt Darwin, en daar zijn we ook natuurlijk de resultanten van, want dat is ook wetenschappelijk bewezen. Maar grote moralisten, en ik kan beginnen bij Boeddha en Confucius, een hele lijst overlopen. De mensen die de Torah geschreven hebben, en Jezus Christus, en in de Koran, en Immanuel Kant, en noem maar op. Die hebben gezegd, dames en heren, pas op met dat egoïsme, individueel en collectief. Die extreme gelijkhebberij, dat extreem nationalisme, de eigen volk eerst ideologie, pas daarmee op. Want u gaat de menselijke soort uitroeien. Vandaag de dag is dit nooit zo actueel geweest, nu de mensheid beschikt over massavernietigingswapens. En het is toch gruwelijk. En het geeft een rilling in de rug dat staatsleiders tot op gisteren, eergisteren, allusie maken aan de mogelijkheid van een nucleair conflict. Bijgevolg. Dat kun je eigenlijk beschouwen als wat in de Bijbel staat over de erfzonde. Dat ingebouwde darwinistische egoïsme en collectivisme. Bijgevolg moet je iets anders doen. Moet je iets tegengesteld doen? Moet je deugden ontwikkelen die daartegen ingaan? En dat is dan de onbaatzuchtige naastenliefde. De solidariteit, de samenwerking, het streven naar waarheid, naar rechtvaardigheid, naar gelijkheid. En dat zijn deugden die eigenlijk voor een stuk iets onnatuurlijks hebben. Iets bovennatuurlijks hebben. Dat is de goedheid. En voor sommigen heeft het ook te maken met de godheid. In het Nederlands is er maar één letterverschil tussen God en goed. En het is geen toeval dat in het evangelie staat God is liefde. En dat heeft mij na lange zoektochten gebracht tot een transcendent model van evolutie. Er zijn drie grote fenomenen, drie grote gebeurtenissen op deze aarde. Ten eerste, de vitalisatie van de anorganische stof. 3,5 miljard geleden is materie levend geworden, de eerste cel. Door de wetenschap ontrafeld, maar nog niet nagebootst. En dan is het leven zich gaan verspreiden in tienduizenden levensvormen. En dan 300.000 jaar geleden is er ook iets heel bijzonders gebeurd. Na de vitalisatie, de hominisatie van het levend wezen. Het ontstaan van zelfbewustzijn. Geweldig fenomeen. En dan is er een derde fenomeen. En voor mij is dat het model van de transcendente evolutie. Waar gaat de mens naartoe? Wie zal ons opvolgen hier in deze zaal over 100 jaar? Over 500 jaar? Hoe zal de mens het eruit zien over 1000 jaar? Over 10.000 jaar? Waar gaat het heen? De derde fase voor mij is de divinisatie. Door de goedheid van de mens. De goedwording van de mens. Dat is de echte menswording, als de mens goed wordt. Volgens bepaalde heilige geschriften, als hij goddelijk wordt.
Het is geen lukrake zin dat in de Bijbel staat dat de mens geschapen is naar het beeld en de gelijkenis van God. Niet we zeggen, hij is geroepen om het goede te doen en goed te worden. Ik heb natuurlijk het boek gelezen van Harari, Homo Deus. In een van mijn eigen boeken heb ik daarop gereageerd door te zeggen, pas op, Homo Deus kan ook ontaarden in Homo Diabolus. En we beleven tijden van kolossale veranderingen. Het komt erop aan al die veranderingen om te zetten in menselijke vooruitgang. En dus de goede menswording te bevorderen. Maar het kan ook ontaarden in vreselijke dingen. En bij gevolg, goede vrienden, de belangrijkste uitdaging vandaag is de ethische uitdaging. De ethische uitdaging is veel belangrijker. De ethiek van de verandering is belangrijker dan de verandering van de ethiek. En we moeten dus daarnaar streven. Ik heb niets kunnen zeggen over wat ik gedaan heb tijdens de coronagijzeling. Ik heb een boek geschreven over een wereldbeving die corona heet. Het heeft mij veel wijsheid bijgebracht in elk geval. Ik heb mij niet laten opsluiten tussen pessimisme en optimisme. Ik heb gekozen, hopelijk met u, voor meliorisme. Mensen en dingen zijn verbeterbaar. En het is de bedoeling van deze bijeenkomst onder meer om daar werk van te maken. Dank u voor uw aandacht. Het vervolg van mijn toespraak komt bij een andere gelegenheid. Dank u wel, minister Eijskes. U is er alvast in geslaagd om het thema van vandaag in een ruimer kader te zetten. En dat is, dacht ik ook, wat we nodig hebben en waar we u zeer dankbaar om zijn. Par rapport au ministre Eijskens, le ministre Busquin est un jeune homme, quelques 8 ans plus jeune, mais avec un palmarès bien aussi rempli en tant que président de parti, ministre et commissaire européen, un scientifique de formation qui s'occupe encore toujours de la relation entre les pouvoirs publics et la science. Je vous invite, monsieur le ministre, à prendre la parole. Monseigneur, Madame, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de participer à cette initiative qui me paraît économique et en même temps bien à son heure, parce que nous avons besoin de repenser ce que nous sommes et ce que nous pouvons être. Nous vivons des événements que nous ne pouvions plus imaginer. La guerre en Europe et que nous ne pouvions pas imaginer. La pandémie Covid. La guerre en Europe nous ramène à des souvenirs d'adolescence. Budapest en 1956, la guerre froide, Prague, que nous pensions écartée après la chute du mur de Berlin. Son absurdité, ses horreurs, ses bouleversements, ses réfugiés sont des images qui nous frappent et qui ont mis au second plan la pandémie. Toutefois, je vais m'en tenir à la question posée. Comment ai-je vécu le confinement à partir de ma conviction philosophique spirituelle et quelles conclusions sociales en tirer? Ma conviction philosophique est ancrée dans le libre examen et mon engagement politique guidé par la solidarité responsable. Je n'avais jamais imaginé un confinement. Et la pandémie est pour nous un phénomène lointain dans l'histoire et géographiquement. Sur le plan personnel, au-delà de l'émotion due à la perte brutale de quelques amis, c'est un miroir de notre existence auquel nous avons été confrontés. Les questions essentielles viennent à l'esprit. Fragilité de l'individu, sens de la vie, comme Marc vient de le dire, tant retrouvé, mais aussi toute l'importance du lien social qui a été bouleversé.
on mesure le privilège d'avoir une maison avec un jardin, le besoin de rencontrer la famille, des contacts avec les amis, de l'activité culturelle et sociale. On applaudit les efforts de ceux qui sont en première ligne, corps médical, infirmiers, infirmières, services publics, et on mesure toute l'importance de ceux-ci. Les conclusions sociales que j'en tire sont diverses. L'importance de la solidarité et de son organisation, une réflexion sur les structures institutionnelles, la santé publique, notre État, l'Europe et la recherche. La recherche est un élément essentiel de la connaissance humaine. Et devant un tel phénomène, la connaissance était primordiale. À cet égard, on n'a peut-être pas suffisamment mesuré que le partage d'informations est essentiel. Et il m'est apparu, dans un monde interconnecté, assez performant. Dès le départ, les informations ont été échangées dans le monde entier entre la connaissance du génome du virus, de ses différents traitements, etc. Et donc, nous sommes arrivés à, je crois, montrer qu'il y a quand même au niveau du monde une interconnexion qui peut être positive. Même si les causes premières du COVID ne sont toujours pas connues. L'innovation apparaît aussi suite à la recherche fondamentale. Et puis-je au passage me permettre de vous signaler que les chercheurs d'origine turque travaillant dans un laboratoire allemand a été soutenu essentiellement au départ par les bourses d'excellence de l'Union européenne. Et à cet égard, cela a permis, avec sa société qu'il avait créée, BioNTech, de permettre à Pfizer de créer un vaccin en moins d'un an, ce qui était quand même une performance scientifique exceptionnelle. Et cela a été possible grâce d'abord à la recherche, mais aussi avec des mécanismes de développement dont je redirai un mot après, qui sont évidemment importants et qui a permis à Pfizer de se sortir ce vaccin, comme d'autres, bien entendu, mais Pfizer à l'initiative de l'ARN messager, qui était un type de vaccin qui aura peut-être d'autres perspectives demain dans d'autres domaines, parce que c'est une avancée technologique importante. L'importance de la solidarité et de son organisation est déterminante et rappelle que notre système de santé doit être une priorité et que son financement doit aller au-delà de l'inflation. C'est un acte politique que nous avons répété régulièrement parce que cela permet de garantir le bon fonctionnement lié aux nouveaux défis qui sont le vieillissement, mais bien entendu, des éléments comme ceux que nous avons vus, la pandémie, mais aussi donner une attractivité à la fonction, à ces fonctions qui sont basées d'abord sur une éthique et sur un dévouement par rapport aux autres. Globalement, au-delà de quelques malheureux couacs de départ, particulièrement dus à la méconnaissance du virus, de son traitement, aussi, il faut bien le reconnaître, du fonctionnement de nos maisons de repos. Le bilan, douloureux certes, a été limité le mieux que l'on pouvait. Dans de telles circonstances de crise, l'importance et la capacité de la décision politique a tout son sens. Dans notre État démocratique, fédéral et complexe, la réponse a été, à mes yeux, bonne. Comparé à d'autres pays, certes, des décisions ont parfois été improvisées et discutables, mais la réponse fédérale, en concertation avec les régions, est restée le pilier de la politique et nous devons nous en réjouir. Il n'y a pas eu à cet égard-là de dérapage qu'on pouvait craindre dans notre pays avec toute sa complexité. De même, l'effort pour atténuer les conséquences économiques et sociales a été conséquent. Nous avons mesuré plus que jamais
combien nous étions interdépendants et que les réponses devaient être aussi européennes, si pas universelles. Pensons par exemple à l'usage du vaccin dans les pays en voie de développement, qui sont essentiels pour éviter que la pandémie ne se perdure ou qu'il y ait des mutations de ce vaccin. L'Europe institutionnelle n'est pas une compétence propre en domaine de la santé, et on peut certainement le regretter, mais je pense que on a, au niveau européen aussi, répondu positivement. Pour moi, un point essentiel a été l'achat groupé de vaccins, qui a été une excellente décision pour éviter les surenchères nationalistes qui auraient pu se faire et qui auraient été excessivement coûteuses pour l'approvisionnement en vaccins. De même, le pass vaccinal européen a garanti un des principes de base de l'Europe, la libre circulation des individus. Comme toujours, l'Europe n'avance qu'au gré des crises. Ce qui a été le cas avec ce que un sujet qui est important pour l'Europe, ce plan de relance. Pour la première fois dans l'histoire européenne, le plan de relance a été conçu de telle manière qu'il permettra la mutualisation des dettes, et de là est un pas important et significatif pour l'Europe. De la même manière, nous avons mesuré toutes les garanties que nous devons avoir par rapport à notre propre développement. La pandémie a mis en lumière les dangers d'une mondialisation économique excessive. Notre dépendance vis-à-vis de certains composants pharmaceutiques, pour des composants de base, par rapport à la Chine ou l'Asie, est trop grande et difficile. Le problème des semi-conducteurs est un point essentiel, comme celui des métaux rares. À cet égard, je pense que le phénomène a été bien perçu, et une décision que je voudrais signaler est celle-ci. La Commission européenne et l'Union européenne viennent de décider quand même un fonds pour faire face aux événements imprévus, aux crises dans le domaine de la santé. Ce fonds est comparable au fonds Bravo des Américains, qui leur a permis d'ailleurs de lancer ces vaccins rapidement, et qui est un fonds lié entre le secteur privé, le secteur public, la recherche et le développement. Et donc ça, c'est un point essentiel, et c'est un point qui est complémentaire à une initiative qui existait déjà, qui s'appelle IMI, Initiative de médecine innovante, qui a été créée en 2008, mais qui était seulement liée à la recherche. Et donc, on dépasse ce cadre en parlant de développement. Et donc, on pourrait évidemment allonger la liste des problèmes. Je pense qu'aujourd'hui, aussi bien sur le plan institutionnel belge qu'au niveau européen, il y a eu des changements. Il y a eu des changements, et ces changements vont dans le bon sens. Cela n'empêche de dire que malgré la période douloureuse, je crois qu'il y a plusieurs éléments qu'il faut garder à l'esprit. D'abord, garder l'espoir. Défendre des valeurs fondamentales, et c'est vrai aussi dans cette guerre en Ukraine où il y a l'état de droit qui doit être défendu. Lutter contre les inégalités. Les inégalités sont de plus en plus criantes, et sont de plus en plus criantes en temps de crise. C'est pourquoi cela m'apparaît comme une conclusion sociale que nous pouvons partager tous, et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, Monsieur Busquin, de nous avoir rappelé les enjeux majeurs de la crise de deux ans quand même que nous venons de vivre. De twee jongeren, oudere jongeren die wij net gehoord hebben, waren niet de eerste die zich over het thema van ons colloquium hebben gebogen. Wij hebben dat thema eerst aan een aantal jongeren voorgelegd. En we hebben het voorgelegd met een camera bij de hand en ze hebben daarover nagedacht en enkele antwoorden proberen te formuleren. Nous écoutons dès lors ces témoignages de jeunes de différents cultes
et convictions philosophiques reconnues dans notre pays par rapport au thème de ce colloque, Covid et confinement. Hoe hebben wij jongeren van verschillende erediensten en overtuigingen in ons land dat beleefd? En welke was de rol die onze overtuiging of onze geloofsovertuiging daarbij heeft gespeeld? Ik stel voor om samen naar deze mooie beelden te kijken. Merci. Jamais seul. Never alone. Nooit alleen. They did it wrong. They made it bad. It's been so long. Still it's... Ik moet zeggen dat ik met de lockdown wel een reset heb gehad binnen mezelf. Ja, stilgestaan bij de dingen die ik aan het doen was. Ik doe heel veel door elkaar en doordat het even niet mocht, was het... een uitdaging om mezelf terug te vinden in een nieuwe manier van werken. Ik merkte wel dat zeker in het begin dat het even zo heel, heel kort kwam van hoe ziet mijn leven er nu ineens uit. Reality, it's different. There's families confused. Mijn geloof heeft me erg geholpen om door die lockdown te geraken. Vooral doordat ik nog wel naar de kerk ben kunnen gaan, omdat ik deel ben van het aanbiddingsteam. Dus daar kon ik gelukkig nog muziek maken en het was natuurlijk zonder mensen in de zaal. Zo heb ik wel nog kunnen tijd doorbrengen in Gods aanwezigheid. You gotta hide, 'cause some give a lot of you disrupt security. J'ai eu la chance de vivre dans une communauté. Donc pour moi, ça a été une richesse parce qu'on a pu continuer à vivre ces prières de communauté, ces prières quotidiennes. C'est pas parce qu'on a pu être empêché de vivre notre foi un peu de manière concrète dans la société qu'on n'a pas pu la vivre autrement. C'est passé par les relations, c'est passé par ouvrir sa Bible et se dire comment la parole me touchait, me rejoindre dans ce que je vis aujourd'hui. Donc, pour moi, ça a été une expérience très créative qui m'a permis d'oser découvrir aussi d'autres choses en moi et d'arriver à trouver des moyens d'exprimer ma foi autrement. Par exemple, au tout début, il y a eu Pessah, donc la Pâque juive, au tout début du confinement de mars-avril 2020. Et là, il a fallu trouver une manière de se dire on va faire Pessah à distance. Donc ça, c'était une grande plus-value de fait de réfléchir à comment est-ce qu'on le fait différemment. Pour cela, j'aimerais argumenter avec une phrase que l'on retrouve dans la Bible, dans l'évangile selon le saint apôtre et évangéliste Matthieu, qui est au chapitre 18, verset 20, où le Christ dit « Car là où sont deux ou trois réunis en mon nom, je serai parmi eux. » Cette phrase est forte car elle indique que l'Église n'est pas nécessairement des centaines, des milliers de personnes, mais que deux ou trois personnes sont suffisantes pour faire une Église. Nooit alleen. Jamais seul. Never alone. Who's the one who can rise above? Take a chance, do it all for love. De islam was bijvoorbeeld een lichtpuntje voor mij. En er zijn heel veel Koranversen die u helpen voor eenzaamheid bij moeilijke tijden. Bijvoorbeeld, er wordt tijdens een Koranvers vermeld dat na een slechte dag een goede dag komt. En zulke verzen hebben mij wel geholpen om mij niet alleen te voelen en om deze lockdownperiode zo goed mogelijk te doorbrengen. Le fait de savoir qu'il y a quelqu'un qui est là-haut qui veille sur nous et le fait de savoir qu'il y a la parole de Dieu pour les chrétiens, la Bible, il y a quand même des promesses qui sont encourageantes. De se dire vous ne serez jamais seul, des paroles qui pourraient nous encourager dans ces temps de pandémie. Un exemple pour moi, le psaume 91 qui parle des fléaux, c'était un encouragement pour moi énorme. C'est ainsi qu'on a pu voir, grâce à Internet, des communautés se regrouper pour évoluer dans la foi et garder un contact avec l'Église.
Et non plus seulement en fait l'église locale comme communauté où nous allions au bâtiment qu'est l'église, on découvre l'église universelle avec un grand E dans son ensemble, jusqu'à Outre-mer, au-delà des océans. Et cette recherche de la non-solitude en fait, dans cette solitude. Je pense que la solitude parfois est un bon moyen de se retrouver soi-même à la différence de l'isolement. Je pense que l'atout du confinement, ça a quand même été cette solitude de pouvoir vivre, continuer à cheminer en couple, continuer à approfondir ma foi. Nooit alleen. Jamais seul. Reizen in het humanisme, allee, voor mij persoonlijk is een levensbeschouwing vooral iets waar je allee, doet of zijt. Dat is deel van mij en de manier waarop dat ik naar de wereld sta en op mezelf. Anderzijds was het wel niet altijd even gemakkelijk om echt zo outreach naar de andere studenten. Was veel moeilijker aangezien dat we geen studenten zagen en alles online was. Zeer centraal. In mijn geloofsovertuiging staat de rol en het belang van de gemeenschap. En waar zeer veel mensen denk ik de vraag stellen, wat kan de gemeenschap voor mij doen? Wat is de wereld mij verschuldigd? Moet de vraag eigenlijk zijn, wat kan ik voor de gemeenschap doen? En tijdens de coronacrisis was dat zeer simpel. Blijf thuis, beperk uw contacten en laat u vaccineren. En ik denk dat vooral dat laatste moeilijk ligt bij heel veel mensen. Blijkbaar. La solidarité dans le judaïsme, c'est un point qui est assez important. Un des aspects de la solidarité dans le judaïsme, ça peut être le tikkun adam, tikkun olam, qui veut dire réparer l'humain, réparer le monde. C'est un principe qui vient de la Mishnah, donc qui vient de la Torah. Ça se base du principe que le monde a été créé ou existe de manière imparfaite. Et en fait, le rôle des humains sur Terre, c'est de faire en sorte que le monde soit amélioré et soit en quelque sorte réparé pour le mieux. Et donc c'est vraiment un principe important dans le judaïsme et que je pense a été vraiment appliqué énormément par les organisations et les individus, tous les juifs à travers la Belgique pendant ce confinement. Ook in de islam is er een grote solidariteit. Bijvoorbeeld geld geven aan de armen of geld geven aan mensen die bijvoorbeeld de lockdown thuis hebben doorgebracht en die geen geld hadden om bijvoorbeeld eten te kopen. Ik had het gevoel dat de schijn van solidariteit er veel was. Bijvoorbeeld het om een bepaald uur gaan klappen voor de zorg. Maar dat er langs de andere kant dan zo vaccineren, dat ga ik mij niet laten doen. En zo een beetje zo dubbel. Het statement van ik ben solidair en ik vind dit belangrijk en ik wil dat we hier samen doorgeraken, vind ik dat er wel was. Maar ik vind dat soms de handelingen er niet mee overeenkwamen. Ik denk dat wij in onze tijd wel denken van de pest kan hier niet meer gebeuren. Hè. De wetenschap, wij zijn nu veel slimmer dan al die sukkelaars voor ons, dat gaat niet meer gebeuren. En ik denk dat het wel heel een ontnuchterende episode is geweest in onze geschiedenis. Al die mensen die daarvoor zeggen van ik geloof in de wetenschap, maar het moment dat de wetenschap zich keert tegen die mensen, dan keren zij zich tegen de wetenschap en zeggen ze dat bestaat niet. Dat is niet waar. Hè. En dat is bizar. Ik denk dat iedereen wel een beetje een reality check gekregen heeft van het gaat niet allemaal altijd beter. Il y a beaucoup plus de vaccinés qu'il y a le vaccin. C'est quelque chose de positif. Et puis il y a beaucoup de vaccinés. Et puis je dirais qu'on a connu d'autres pandémies dans le passé. Ça, c'est aussi. Ils se sont passés. Et là, je pense que cette pandémie aussi va passer un jour et on aura une vie après. J'espère qu'on ne va pas retourner dans la normale d'avant, mais qu'on aura on va vivre d'une façon différente, d'une façon beaucoup plus consciencieux de ce qui est plus important. Comment je vois l'avenir? Déjà, j'aime beaucoup la différence entre l'avenir et le futur. Pour moi, le futur, ça me fait penser un peu à Star Wars, des étoiles un peu dans les yeux. L'avenir, c'est quelque chose de très concret, c'est l'avenir. C'est comment on saisit, pour moi, comment je le saisis cet avenir, c'est vraiment d'abord vivre cet instant présent et de me dire, je ne peux pas changer demain, je peux déjà changer aujourd'hui. Et cet aujourd'hui fera changer demain. Notre existence sur Terre, en tant qu'individu, en tant qu'humanité, doit être pérennisée et que chaque individu doit pouvoir vivre de manière digne dans le monde de demain. Donc pas juste revenir au monde d'avant, mais réfléchir à un monde futur qu'on crée de jour en jour. Donc ça, c'est quelque chose
que je vois aussi énormément dans le judaïsme par rapport au Tikkun Adam, Tikkun Olam, de comment faire en sorte de réparer, améliorer le monde, et donc là, le monde futur. L'orthodoxie est ce qui m'a tenu en vie. Car sans orthodoxie, les premiers symptômes de dépression, de tristesse, de panique sont vite arrivés. Et l'orthodoxie, le Christ, m'a tenu en vie et nous a tenu en vie. Ik kijk nu vooral vooruit. Ik inspireer mij ook aan een bijbeltekst die dat ook zegt van maak u geen zorgen over de dag van morgen. Vandaag heeft al genoeg aan zichzelf. En het verleden is al helemaal iets dat we achter ons beter laten en gewoon vooruit gaan. Het was een heel polariserend jaar ook. Heel veel mensen hebben daar ook wel gebruik van genomen om de situatie, ja, de hele samenleving in twee te splitsen. Dus ik weet niet hoe dat dit gaat aflopen, maar ik denk wel, we geraken er wel door. Ik denk niet dat die kleine groep mensen heel de samenleving gaat afremmen. Dat denk ik niet. Dank u wel aan deze jongeren. Ze zijn allemaal onder ons deze namiddag. We kunnen ze dus van harte danken voor dit mooie en ontroerende getuigenis en de hoop die ze uitspraken dat het normaal van morgen niet hetzelfde zal zijn als het oude normaal van gisteren. On remercie donc de leur témoignage Eric Sibomana, Emma Asselman, Irine Huismans, Anaïs Guérin, Terence Mochard-Dumont, Wolf Jacobs, Akif Berinci et Stéphane Valentin-Gustin. Dank u. Nous aurions encore l'occasion tout à l'heure, après la pause café, pendant le question-réponse, de poser des questions à ces jeunes, si vous le désirez. Maar eerst geven we het woord aan enkele opnieuw minder jonge mensen om hen dezelfde vraag voor te leggen. Hoe heb je die lockdownperiode beleefd en welke is de rol die uw overtuiging of eredienst daarbij heeft gespeeld? Nous écoutons d'abord un témoignage du monde des chrétiens évangéliques de Philippe Reinaerts. Je vous en prie. Monseigneur, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs en vos qualités, avant de partager ce que fut mon vécu pendant ces deux années de pandémie, je veux être très clair. Ce n'est pas une idéologie, une théologie que je vais partager avec vous, mais simplement mon cheminement à travers ma foi en Jésus-Christ. Depuis plus de 50 ans, j'essaie de construire ma vie sur le verset biblique suivant. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, le psaume 119 et le verset 105. Il m'a donc paru normal d'aller chercher dans la Bible la force pour traverser cette crise Covid. L'évangile de Matthieu, chapitre 7 et verset 12 nous dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Et l'épître de Tite, chapitre 3, verset 1er, nous dit « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats, aux autorités, d'obéir et d'être prêts à toute bonne œuvre. » Voilà réglé pour moi la difficulté de me soumettre aux directives, aux injonctions des scientifiques, des politiques, des autorités judiciaires et policières. Concernant la souffrance, la maladie, mais je suis comme Job, je ne la comprends pas, mais je dois la supporter. Et je remercie Dieu pour les femmes et les hommes qui, par leur métier, peuvent soulager le corps et l'esprit. Face à la mort, le passage de Matthieu 6, 27 me dit « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Personne.
Et je me suis donc approprié la pensée de Mozart, qui écrivait à son père le 4 avril 1787 « Comme la mort est le vrai but final de notre vie, je me suis depuis quelques années tellement familiarisé avec cette véritable et parfaite amie de l'homme que son image non seulement n'a plus rien d'effrayant, mais elle est pour moi très apaisante, très consolante. Je remercie mon Dieu de m'avoir accordé le bonheur de saisir l'occasion d'apprendre à le connaître comme la clé de notre félicité. » Le dernier écueil à surmonter était la solitude créée par la bulle sociale et le confinement. La solution est venue des technologies d'aujourd'hui, l'informatique, la téléphonie, les réseaux sociaux. Ils m'ont permis de continuer à avoir des contacts enrichissants avec les enfants, petits-enfants, les amis, les membres de ma famille et les chrétiens. Cela m'a aussi obligé à gérer le temps mis à ma disposition en correspondant avec les uns et les autres, en faisant des choix. Tout cela a découlé des discussions et des réflexions profondes. Le manque de relations humaines m'a permis de réaliser que le lien qui m'unit à mon épouse depuis 46 ans a été et reste l'antidote de la solitude. Je vous mentirais si je vous disais dans ma conclusion que ma foi m'a permis d'être serein chaque jour. J'ai été frustré lorsque nous avons dû fermer les containers pour SDF avec un animaux de la Fondation Prince Laurent. Je ne savais pas, Monseigneur, vous seriez là, à cause du Covid. Et l'incohérence des pouvoirs publics. J'ai été attristé de la perte d'êtres chers, en colère de voir si peu de cohésion entre les régions de notre pays, comme si le virus n'était pas le même partout. Mon vécu à travers cette pandémie a conforté ma pratique de vie. Au lieu de combattre l'autre, il vaut mieux réfléchir ensemble. Il y a toujours matière à critiquer, puisque nous pensons, croyons, vivons différemment les événements de nos vies, de la mort selon nos croyances, notre éducation et nos origines. Pourtant, écouter, partager, respecter sont le fondement pour que nous ne nous détruisions pas. Je vous laisse le verset 25 du chapitre 12 de l'Évangile à méditer. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » Merci de m'avoir écouté. Dank u wel, meneer Reinaerts, om ons eraan herinnerd te hebben hoe het woord van God mensen kan helpen om ook onverwachte omstandigheden aan te kunnen. J'appelle à la tribune Madame André Poquet, qui va témoigner de comment elle a vécu cette période, partant de sa conviction laïque. Monseigneur, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, le Centre d'action laïque ne participe habituellement pas aux plateformes interconvictionnelles. Mais dans ce contexte de crise, il nous a paru cependant important de participer aux échanges et de voir ensemble comment faire entendre nos voix. En tant que laïque, nos actions s'adressent à l'ensemble des citoyens en favorisant le vivre ensemble, sans nous réduire à une croyance, une religion ou un culte en plus. En effet, le Covid a porté un coup à nos certitudes. Nous avons accepté des situations qui nous paraissaient inacceptables. L'intérêt collectif se confronte très rapidement aux attentes individuelles. Le sociétal allait s'occuper de nous pour notre bien. Nous glissions d'une société de liberté vers une société de la sécurité. Toutes les décisions allaient être guidées par la peur, par la recherche du risque zéro. Les accompagnants du service laïque d'aide aux personnes se sont retrouvés devant des portes fermées
au niveau des hôpitaux, des maisons de repos et de soins, ou même des services à domicile. Chacun fut face à sa propre solitude. Nous ne pouvions plus répondre aux attentes. La vie devint donc la valeur suprême. Mais de quelle vie parle-t-on ? Une logique paternaliste fait fi des paroles des personnes concernées. La confiance est un mot oublié. Comme la stratégie s'appuie sur la peur, chacun s'adapte de manière d'ailleurs étonnante, intrigante et inquiétante. Certaines personnes âgées se laissent glisser doucement vers la mort dans un isolement dramatique. Pas d'adieu, pas de cérémonie. En fait, aucune civilisation ne se permet habituellement de gommer ainsi tout rituel. Heureusement, la crise a permis de nouveau de nombreux mouvements de solidarité. Nous avons fait face, en tant que laïcs, à cette réalité. Une ligne téléphonique s'est mise en place, des WhatsApp, des vidéos ont pallié au manque de présentiel. Nous avons organisé des cérémonies d'adieu en maison de repos avec les équipes, les résidents, indépendamment de la conviction philosophique ou religieuse, mais malheureusement sans les familles. Dans ce monde refermé, il y a peu ou pas de réponse à l'isolement. Des angoisses majeures des patients en fin de vie, bien sûr, ainsi que celles des proches laissés en dehors des murs. Nous allons fêter les 20 ans des droits des patients. Le moment est peut-être venu d'élargir cette loi en faisant reconnaître l'assistance morale ou d'ailleurs l'assistance religieuse comme un droit faisant partie intégrante des soins à prodiguer. En vous remerciant de votre attention. Dank u wel, mevrouw Poquet, om ons eraan herinnerd te hebben dat wij allen in onze verschillende gemeenschappen creatief zijn omgegaan met de moeilijkheden die waarmee de pandemie ons confronteerde. J'ai l'honneur d'appeler maintenant à la tribune le professeur Thomas Gercheli, qui va nous témoigner de comment, lui-même partant de sa religion juive, a vécu cette période douloureuse et peut-être aussi plein de nouveaux défis. Vous avez la parole, professeur. Monseigneur, Madame la Présidente du Sénat, Mesdames, Messieurs, en vos grades, fonctions, titres et qualités, sincèrement merci d'abord pour l'honneur qui m'a été accordé aujourd'hui de prendre la parole en cette auguste maison. Et cela pour répondre très brièvement à la question qui nous est posée à tous, à savoir comment chacun de nous, selon son appartenance philosophique ou spirituelle ou les deux, aura vécu l'épreuve du confinement. Et pour ce qui me concerne, selon l'appartenance que l'on me connaît, celle de la judéité. Si toutefois il existe un vécu spécifiquement juif d'un événement comme une pandémie et ses conséquences, et qui concerne en vérité tous les habitants de notre planète. Ceci pour dire que, face à un tel sujet, la prudence dicte de ne parler que de soi, sans essayer d'englober d'autres que soi, pas même ceux qui partagent les dédales de votre sérail spirituel. Car ainsi que l'avait dit le célèbre écrivain Graham Greene, nul ne saurait mesurer combien de temps dure une seconde de souffrance chez l'autre. Alors donc, ces précautions prises, oui, comment ai-je traversé le temps de la peste pandémique ? Plutôt bien, je pense. En tout cas, sans désespoir, sans dépression, sans mal-être, et à la sortie, sain d'esprit et de corps, du moins il me plaît de le croire. Et j'ai été aidé pour cela. Oui, par quoi donc ? Eh bien, ni par ma spiritualité, ni par ma philosophie, ni même par mes éventuelles pratiques religieuses, pour autant que j'en ai,
car là, nous touchons à plus intime, voyez-vous, que le sexe, et n'en parlons pas. Alors, qu'est-ce qui m'a aidé? Bien, la réponse, la voici. Ce qui m'a aidé, c'est ma mémoire. Celle qui fonde ce qu'on appelle la judéité, laquelle judéité, Monseigneur, Madame, Mesdames, Messieurs, se définit au mieux par ce qu'on appelle une culture de la mémoire. Une culture de la mémoire qui vous dicte de prendre au plus sérieux la leçon d'hier pour en tirer quoi faire, penser ou ressentir aujourd'hui en vue du présent et de l'avenir qu'il faudra encore vivre. Et cette mémoire de la judéité, qu'enseigne-t-elle? Eh bien, entre autres, elle enseigne que souvent, il y a autant de grandeur, voire plus, dans les petites actions que dans certaines actions spectaculaires, certains actes d'héroïsme. Pour me faire comprendre, qu'il me soit permis, en guise de paradigme, si je puis dire, du temps présent, de dire une histoire vraie, issue d'un passé révolu, mais si proche encore de nous. Il y a 80 ans, une peste, la meurtrière peste brune, était venue infecter beaucoup d'Européens. Contagieuse, comme toutes les pestes, elle ne passait pas des bouches aux narines, mais des lèvres au cerveau. Or, au milieu de ce désastre, quelque part dans une grande capitale d'Europe centrale, un homme et une femme, d'un optimisme désarmant, ont décidé une nuit de faire l'amour et de concevoir un enfant. Un enfant qui vint au monde en plein apocalypse, au fond d'un lieu de confinement forcé, un cul de basse fosse nommé ghetto, antichambre d'un anéantissement programmé et fonctionnant sous le régime d'un couvre-feu, draconien celui-là, à respecter sous peine de mort. À ce compte, rapidement, la pénurie organisée déboucha et se transforma, si l'on veut, en famine hideuse, comme toutes les famines, sans parler des bombardements qui bientôt forcèrent ces confinés à s'entasser debout dans des caves obscures, trop petites pour leur grand nombre. Parmi eux, l'homme et la femme dont je vous ai parlé. Et le temps des épreuves ultimes, celles qui curettent les cœurs et les âmes, avait commencé, pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Et dans l'ordre, quelques personnes dans ces caves obscures possédaient des bougies. Aucune n'accepta d'allumer la sienne au motif qu'elle n'avait pas à donner sa lumière à des inconnus. De ténèbres physiques, leurs ténèbres devenaient ténèbres morales. Et puis, autre chose. La femme qui venait d'accoucher et qui, debout depuis des jours et des heures, tenait son bébé dans ses bras, commençait à défaillir. Dans ce bourbier d'indifférence, un vieillard s'en aperçut. Or, ce vieillard, ce vieil homme, détenait un trésor incomparable, une cuvette de WC sans lunettes. Il l'offrit à la jeune mère qui s'y assit. Du coup, cet homme, qui de la sorte se condamnait à l'épuisement, venait de transformer cette vulgaire cuvette de nécessité en véritable source de vie. C'est cela qu'on appelle un miracle. Mais voilà, épuisée, la maman n'arrivait pas à allaiter, évidemment. Alors, bravant le risque d'être fusillée pour rupture de couvre-feu, son mari gagna la rue et sous les bombes cambriola une pharmacie où, par hasard, il trouva dans un coin quelques boîtes d'ovomaltine. L'enfant vivrait. Enfin, peut-être. Mais non, parce que pour diluer la poudre d'ovomaltine, il fallait de l'eau, et celle de la cave était polluée. Il l'employa quand même, et l'enfant tomba mortellement malade. Par chance, quelqu'un dans cette même cave possédait quelques ampoules de sulfamide, peut-être périmées, et un autre possédait une seringue. L'un comme l'autre donnèrent leur trésor, l'enfant vivrait. Enfin, peut-être, encore une fois, ou peut-être pas, parce qu'avant de fuir l'avancée de l'armée rouge, qui piétinait à 10 km de l'endroit que je vous évoque, un certain Adolf Eichmann avait ordonné le bombardement total du ghetto avec tous ses habitants dedans. Alors, jusque-là, muet, et 6 millions de fois muet déjà, le ciel allait-il enfin s'émouvoir? Tard sans doute, mais oui,
Soudain, le ciel s'émut et dépêcha ses anges. Ils débouchèrent ces anges, brusquement, dans les caves, revêtus des uniformes des soldats de la 2e et de la 3e armée d'Ukraine, arrivés quelques heures avant l'échéance fatale. Ils donnèrent ces soldats leur pain aux affamés, « Dai nam kreba, donne-nous du pain !» Et les femmes se jetèrent à leurs pieds pour embrasser le bas de leur manteau, leur long manteau de guerre. Après quoi, ils partirent se faire tuer par l'ennemi nazi. Alors, que conclure? Eh bien, c'est que c'est le souvenir de ce récit, très souvent répété, qui m'a soutenu durant le confinement parce qu'il permettait de relativiser. Rabbi Nachman de Breslav, qui était un des très grands sages juifs du 19e siècle, enseignait « La vie est un grand pont sur un précipice, comme un très grand pont sur un précipice, étroit, très étroit, que chacun doit traverser, mais l'essentiel est de ne pas se faire peur. » La culture de la mémoire, parce qu'elle relativise, est ce qui retient d'exciter ses propres peurs. Enfin, elle apprend aussi que le verset du Lévitique, qui se trouve dans les évangiles aussi, qui enjoint d'aimer son prochain comme soi-même, ne suffit pas. Il faut l'aimer plus que soi-même. Car, enfin, que fait-on pour l'autre quand on se déteste au point de se condamner aux ténèbres des yeux et des cœurs? Vous vous souvenez de l'exemple que j'ai donné il y a une minute. La question comportait, bien entendu, sa réponse. Aimer son prochain plus que soi-même, telle est donc pour moi la leçon du passé pour le présent et pour l'avenir, telle est aussi, à mes yeux, la part sereine des leçons du confinement. Voilà. Oui, pardon, j'oublie encore de vous dire une chose. C'est que l'homme de mon récit était mon père, la femme de mon récit était ma mère, l'enfant c'était moi, et le lieu de notre confinement, c'était le ghetto de Budapest. Monseigneur, madame, mesdames, messieurs, merci de m'avoir accordé votre attention. Merci, professeur Chergely, de nous avoir partagé cette histoire personnelle douloureuse et inspirante en même temps, et de nous avoir rappelé que dans toute misère, une nouvelle vie peut surgir et que cela peut nous inspirer pour l'avenir, nous rendre plus forts. Ik geef nu graag het woord aan monseigneur Luc van Looy. Aan de universiteit moet men op emeritaat op zijn 65ste. Bisschoppen blijven tot hun 75ste, maar deze bisschop heeft er 2 jaartjes aan toegevoegd. En naar verluid zou hij nu op rust zijn. Ik geloof daar niks van, monseigneur. Monseigneur, mevrouw de voorzitter, de minister van Staat, monseigneur. Goede vrienden, onze jongere vrienden vooral. We beleven eigenaardige tijden, bizarre tijden. Het is een virus die de wereld helemaal in handen genomen heeft. En ik heb me vaak afgevraagd, klopt dat wel met het plan van de schepper? Of, vroeg ik mij ook af, is dit het begin van het einde van de wereld? Het is zo vreemd. Voor mezelf kwam de lockdown tegelijkertijd met mijn vertrek uit het bisdom Gent. Maar ik werd wel getroffen door de pedagogische capaciteiten van onze leiders in ons land. Samen met de wetenschappers en de media om het hele land op korte tijd in lockdown te zetten. En met voortschrijdend inzicht bij te staan om al die maatregelen te aanvaarden, van een mondmasker tot de vaccinatie. Ik zei bij mezelf, het is dus toch mogelijk dat alle krachten gebundeld worden. Alhoewel het niet gemakkelijk was en in ongeziene omstandigheden, hebben wij allemaal veel geleerd van het zorgpersoneel, van de vrijwilligers. We hebben geleerd zieken te bezoeken wanneer het niet mocht.
We hebben gezien hoeveel vrijwilligers in de vaccinatiecentra klaarstonden. We hebben eenzame mensen steun gegeven. Ik moet zeggen, ik draag heel veel leed met mij mee van deze 2 jaar. Zoveel mensen die eenzaam gestorven zijn, eenzaam begraven. Ik denk dat zulke ervaring ons verandert. In de praktijk leerden wij met Zoom-sessies te vergaderen. We organiseerden webinars, religieuze diensten werden uitgezonden om zo toch de vorming van onze mensen niet te verwaarlozen. We leerden thuis te werken. Dat is niet voor iedereen een evidente zaak geweest. Voor mij was dit geen probleem, omdat ik op pensioen was en ik mocht niks doen. En van de corona mocht ik niets en van mijn pensioen moest ik ook niets meer doen. Ik heb mij nooit geïsoleerd gevoeld. Omdat ik langs internet en telefoon in contact bleef met veel mensen in de hele wereld. Maar ik werd wel diep geraakt. Jullie hebben dat ook gezien. Toen Paus Franciscus alleen stond op het Sint-Pietersplein. In de regen. Om te bidden voor de lijdende mensen. Dat was een teken, hoe eenzaam hij ook was, van grote verbondenheid die wij toen allemaal aangevoeld hebben. Verbonden met de hele mensheid. Ik heb mij ook veel vragen gesteld. Bijvoorbeeld, waarom ging de aandacht van onze nationale commissie zoveel, en dat is absoluut nodig, gaat daar niet over, naar financiële steun? En zo weinig naar de psychoreligieuze nood van de mensen. Om de mens in zijn diepste verlangen te ondersteunen. Voor mij is het een periode geweest die ik zou kunnen een contemplatieve ervaring noemen. Ik heb veel tijd doorgebracht in gebed. Veel tijd ook aan mijn bureau. Om religieuze en pastorale teksten te vertalen, te lezen. Ik heb veel gelezen, veel geschreven gedurende deze periode. En er groeide in mij een soort nieuw tijdsbewustzijn. Mijn dagen waren te kort en de wereld te klein. Ik was constant bezig met mensen, weliswaar van op afstand. Maar ik vermoed dat ik nooit eerder zo intens meegeleefd heb met heel veel mensen. Berichten over overlijdens of over zieken. Die gaven mij de gelegenheid mee te leven met hun zorgen. Ik vond het zo jammer dat we geen echte hulp konden bieden. Eén overtuiging groeide in mij. Het moet anders in de toekomst. Een ander sociaal leven. Een andere economie. Het is natuurlijk allemaal zo ingewikkeld. We hebben ons in een doolhof genesteld. We moeten nu hulp zoeken om eruit te geraken. Wat we geleerd hebben aan solidariteit, aan menselijke waardigheid, aan openheid naar de ander, aan zorg voor elkaars welzijn, voor elkaars noden en gezondheid, dat moet de basis worden van de nieuwe samenleving die we willen opbouwen. De post-corona-periode zal anders zijn, indien wij deze ervaring niet vergeten. Dank u wel. Dank u, monseigneur, om ons eraan herinnerd te hebben dat er verbondenheid is geweest in eenzaamheid, maar ook heel veel eenzaamheid met een gebrek aan verbondenheid en dat we daaruit moeten leren. La prochaine oratrice est protestante, mais germanophone. Il y a traduction, comme vous le savez, avec vos oreillettes. Ich bitte Frau Elfriede Kuhnhardt Seringer das Wort zu ergreifen.
geehrte Exzellenzen, geehrte Gäste. Es ist mir eine Ehre, im Namen der deutschsprachigen protestantischen Gemeinde in Brüssel der heutigen Versammlung beizuwohnen und ihr unsere Grüße und den Ausdruck unserer Verbundenheit zu übermitteln. Ich wohne schon lange Jahre in Brüssel. Mein Ehemann und ich, wir sind Deutsche. Wir leben in Brüssel und in der Nähe von Brüssel in Terburen. Wir haben 3 Kinder. Diese sind geboren und aufgewachsen hier in Belgien, leben aber heute berufsbedingt mit ihren Familien in Deutschland. Und wir haben uns über Monate nicht sehen können oder Hilfe von ihnen erwarten. So leben wir in Belgien zwar allein, aber wir fühlen uns auch jetzt in unserem hohen Alter, mein Mann ist 90, ich bin 88, nicht einsam. Dank unserer langjährigen Zugehörigkeit zur deutschsprachigen protestantischen Kirchengemeinde in Brüssel fühlen wir uns mit dieser eng verbunden. In manchen Gottesdiensten und anderen Begegnungen haben wir hier viel Freunde und Bekannte gefunden. Für diese Beziehungen, die wir stets gepflegt haben, sind wir heute vor allem bei den jetzigen Einschränkungen durch Covid-Pandemie sehr dankbar. Seit Monaten nehmen wir über Video an den sonntäglichen Gottesdiensten unserer Gemeinde teil. Und im Anschluss daran kann man mit anderen Teilnehmern Gedanken und Grüße austauschen. An manchen Sonntagen wird auch die Feier des Heiligen Abendmahls per Video übertragen. Allerdings fällt es uns am Bildschirm nicht leicht, das Erlebnis von Gemeinschaft und Gottes Segen zu empfinden. Unsere Brüsseler Kirchengemeinde trägt den Namen Emmaus-Gemeinde. Nach Emmaus wanderten einst 2 Jünger mit dem auferstandenen Herrn, den sie aber nicht erkannten. Erst später wurde ihnen klar, dass sie nicht allein waren, sondern dass der Herr sie begleitete. So mag der Name unserer Gemeinde allen die Hoffnung mit auf den Weg geben, dass wir alle unterwegs sind nach Emmaus und früh oder spät die Gegenwart Jesu und Gottes Beistand erfahren dürfen. Dann werden wir auch bekennen können, wie schön oder schwer unser Weg auch ist. Wir sind niemals allein, never alone. Dank, gnädige Frau, dass Sie uns daran erinnern, dass wir allein und doch nicht einsam sein können. J'ai l'honneur d'inviter le président fondateur, sans doute, de l'Union des bouddhistes belges, non, le président, ancien président, Carlo Lux, à la tribune pour un témoignage partant de sa conviction bouddhiste. Vos Altesses Royales, Madame la Présidente, Messieurs les ministres d'État,
Le déferlement sur toute la planète de la première vague du Covid et le confinement strict qui s'en est suivi signifièrent pour moi d'abord un rappel de certains des enseignements fondamentaux du Bouddha et ensuite une opportunité exceptionnelle d'en approfondir ma compréhension et ma pratique. Parmi ces enseignements, le premier qui me vient à l'esprit est celui sur l'impermanence, la nature éphémère de toute chose, de tout ce qui est créé, la nature de ce que l'on possède, les positions de la vie, les relations, avec une seule certitude que tout ce qui est né est condamné à mourir un jour, mais impossible de savoir quand. La pandémie m'incita donc à réfléchir sur la possibilité qu'à mon âge, j'aurais bien pu en mourir. Pour un bouddhiste, la méditation régulière sur la mort est un atout dans le sens où il permet de surmonter les angoisses qui résultent du déni de cette seule certitude. On ne peut vivre pleinement sans avoir intégré la mort dans sa vie. On ne peut réussir sa vie sans réussir sa mort. Cela implique qu'au lieu d'éliminer cette réalité de ses pensées, il convient de s'y préparer. Dans mon cas, le bouddhisme me fournit les outils nécessaires. C'est pourquoi, à cet égard, le confinement fut une belle opportunité pour s'y exercer. Ce virus a effectivement été meurtrier. Plus de 6 millions de morts dans le monde à ce jour. 450 millions d'infections, avec des graves séquelles pour certains. Cela m'amène à un autre principe promu par le Bouddha, comme par d'autres voies de sagesse. C'est notre devoir de fraternité, d'amitié, de solidarité envers tous les êtres, poussé à un niveau plus élevé que ce qu'on entend par cela à l'ordinaire. Notre vocabulaire est trop limité pour exprimer clairement ce qui est plus qu'un sentiment et qui, dans le bouddhisme, est indissociable de la sagesse. La sagesse dans le sens de la compréhension de la vraie nature de l'esprit. Je fais ici référence à ce que l'on appelle, selon les cas, l'oubli de soi, la capacité de se mettre à la place des autres, l'empathie, la compassion, l'altruisme, l'amour universel sans faire aucune différence entre celles et ceux qui nous sont sympathiques, antipathiques ou neutres. La pandémie nous a offert l'occasion de nous réjouir dans l'altruisme dont ont fait preuve d'innombrables personnes, dont bien sûr le personnel soignant, au lieu d'accabler de reproches les décideurs ou les scientifiques qui se sont parfois retrouvés impuissants devant ce virus dont on avait au départ sous-évalué la dangerosité et l'ampleur de sa propagation. Le troisième principe énoncé par le Bouddha que le confinement m'a permis de mieux comprendre est l'interdépendance. Dans ce monde des phénomènes, tout est lié. Ce qui s'est passé sur un marché en Chine a eu des répercussions sur toute la planète. Contrairement à beaucoup de systèmes de pensée, pour le bouddhisme, l'être humain n'est pas le centre de l'univers. La nature et les autres formes de vie n'ont pas été conçues pour être au service de l'humain. L'être humain fait simplement partie de la nature. Sa relative intelligence ne lui donne pas un permis de décision de vie et de mort sur toutes les autres formes de vie. Les animaux ont d'autres formes d'intelligence que l'humain. Ils ont des sentiments, des émotions et ils connaissent la souffrance, ce qui est reconnu par la science dans la déclaration de Cambridge de 2012. L'hyper-exploitation des ressources de la planète dans l'optique de production, de profit et de surconsommation n'est pas étrangère à l'origine de cette pandémie, qui a mis en lumière la fragilité des équilibres sur lesquels repose notre existence. Son intelligence donne à l'être humain la responsabilité et le devoir de retrouver et de préserver cet équilibre. Notre Terre n'est par ailleurs qu'une poussière dans notre galaxie qui compte 300 milliards de systèmes solaires. Notre galaxie, la Voie lactée, n'est quant à elle qu'une poussière dans l'univers jusqu'à présent observable, qui lui compte plus de 2 milliards de galaxies. Les premières semaines du confinement, quand les rues étaient désertes, la nature sembla retrouver ses droits. Grâce au silence qui régnait en ville, on pouvait entendre le chant des oiseaux. Ce furent pour moi des moments d'inspiration exceptionnels
que j'ai consacrée à la méditation, la réflexion, la peinture, l'écriture. J'ai vécu ce confinement comme une retraite méditative, sans oublier que pour beaucoup, ce fut une période angoissante et même parfois fatale. Ce qui m'incita à pratiquer les techniques bouddhistes de transformation de l'égocentrisme en altruisme, à développer l'ouverture d'esprit, à positiver les circonstances adverses et à cultiver l'art de la patience. Après 50 ans d'études et de pratiques du bouddhisme tibétain, j'ai aussi profité du confinement pour finalement me mettre à l'apprentissage de la langue tibétaine, grâce notamment au phénomène Zoom. Je remercie les initiateurs de ce colloque de bien avoir voulu me donner la parole, comme c'est le cas pour les cultures. Un culte ou une philosophie ne peut s'enrichir et s'approfondir qu'en entrant en contact avec d'autres systèmes de pensée. Je formule ici des souhaits pour que le résultat de l'événement de bon augure de ce jour puisse précisément être cet enrichissement mutuel. Je vous remercie pour votre attention et votre patience. Dank u wel, meneer Luyckx. Om er ons nog eens aan herinnerd te hebben, ik denk dat we het allemaal meenemen, hoe belangrijk die interdependentie is, een inzicht dat het boeddhisme ons aanbrengt en dat we graag tot het onze maken. J'ai l'honneur maintenant d'inviter à la tribune une voix du monde de l'orthodoxie, celle de madame Hélène Sticca. Excusez-moi, j'entends que madame Sticca est représentée par un éminent père Evangelos. Mon père. Monseigneur, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, voici le témoignage de madame Sticca Eleni, qui malheureusement n'a pas pu être avec nous pour cause de maladie. Dans notre monde, il y a eu des changements, des épidémies ou pandémies qui fragilisent l'être humain, mais l'Évangile est ici et il apporte l'espoir depuis le début jusqu'à maintenant. J'ai la chance d'être croyante depuis mon jeune âge, tout comme ma fille médecin vivant à l'étranger, et depuis, je sens la présence du divin dans mon intérieur profond. Ma foi m'aide à affronter les difficultés de la vie et me fait avancer, progresser, développer mon âme et mon esprit continuellement, m'empêchant d'être figé. L'année passée, une bactérie a failli me faire quitter le monde des vivants en pleine période des restrictions à cause du Covid. Aux urgences de l'hôpital, je me suis rendu compte que ça n'allait pas, et là j'ai prié Dieu pour ma convalescence. Mais en même temps, je lui ai dit que ta volonté soit faite. Dès ce moment, mon cœur et mes pensées ont été remplis de sérénité, et calmement, j'ai supporté tout ce que je devais subir afin de pouvoir guérir. Je suis sortie de l'hôpital faible, mais très reconnaissante, et j'ai affronté la totalité des restrictions imposées avec patience, sachant que les autorités n'imposaient point les restrictions avec gaieté de cœur, mais parce qu'elles devaient agir de la sorte, malgré que ces restrictions étaient contre les libertés individuelles, étant donné que cette pandémie inconnue des spécialistes de santé les empêchait, et continue de le faire, à trouver des solutions immédiates afin de sauver les gens. Cette situation de flou scientifique a donné du pain sur la planche des soi-disant défenseurs des libertés individuelles, et elle continue à le faire, car nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge
et devons continuer à faire très attention. Notre vie n'est pas un long fleuve tranquille. Elle est pleine d'événements impromptus que nous devons subir et résoudre. Ainsi, au lieu de rouspéter, il vaut mieux voir en arrière la vie de nos parents et de nos grands-parents qui ont souffert des guerres et d'autres pandémies et qui, malgré tout, ont tout fait avec l'aide de Dieu afin que nous vivions dans un monde meilleur. Pour affronter donc ces restrictions, pensons à eux et avançons avec la foi, tout en essayant de préserver nos libertés sans empiéter sur celles du reste de l'humanité. Le peuple grec dont je suis ressortissante est un peuple croyant et très proche de notre clergé. Pour des raisons historiques, étant donné qu'un grand nombre de serviteurs de notre Église ont combattu et perdu leur vie auprès des combattants hellènes qui se sont sacrifiés afin que nous soyons libres après 400 ans d'occupation étrangère. Et c'est pour cette raison aussi que les ressortissants grecs, une fois arrivés dans un pays étranger avec leurs économies, construisent, achètent, pas une, mais des églises. C'est ainsi qu'ils ont effectué depuis le début du siècle passé en Belgique aussi, pays accueillant, créant des lieux de culte orthodoxe grec partout sur le territoire. Notre clergé continue la tradition religieuse hellénique au sein de l'Église orthodoxe de Belgique, étant en même temps accueillant et collaborant avec les instances religieuses de tous les autres rites de Belgique, et ce depuis assez longtemps. Nous sommes bénis de voir et constater que les plus hautes autorités de notre Église ont les bras ouverts pour nous et pour tout autre culte religieux. Et surtout, nous avons la chance d'avoir comme métropolite Monseigneur Athénagoras, qui continue l'œuvre de son prédécesseur, étant à l'écoute des fidèles, non seulement de notre Église, mais de toute autre Église et instance religieuse de Belgique. L'Église s'est adaptée à la réalité actuelle de cette pandémie, continuant ses services d'une manière différente, certes, mais restant proche de ses fidèles. Ma foi me renforce, me donne de l'espoir et de la patience pour affronter le pire avec l'aide de Dieu. Merci. Merci, mon père, Evangelos Psalas, et vous allez bien vouloir transmettre nos remerciements à Madame Stika, ainsi que lui souhaiter un prompt rétablissement. Vanuit de Vlaamse Vrijzinnige Wereld luisteren wij naar mevrouw Frida Fiers. Monseigneur, madame, mevrouw de voorzitter van de Senaat, heren ministers van staat, dames en heren. Mijn naam is Frida Fiers, ik woon in Vilvoorde en ben op 1 november 2020 met pensioen gegaan, 65 jaar oud. Ik vertegenwoordig hier hedenmiddag de Vrijzinnige Humanistische Gemeenschap. Ik ben psycholoog van opleiding en ben jaren verantwoordelijk geweest voor de kinderdagverblijven van de VUB, de Vrije Universiteit Brussel. Een sector die gedurende de hele pandemie zeer onder druk stond. Thuiswerken was uitgesloten. Deze lockdown viel in mijn geval samen met mijn laatste arbeidsjaar. Midden in de pandemie heb ik het werkveld waar ik 35 jaar in vertoefd had verlaten. De breuk met het actieve leven was zeer groot. Te meer dat alle andere activiteiten en ontmoetingen door de lockdown wegvielen.
Het hebben van een partner met wie gesprek hebben en verbondenheid voelen mogelijk was, met vrienden weliswaar op afstand, is van zeer groot belang geweest. Was dat niet het geval, dan zou ik zeker gevreesd hebben voor een mogelijke vereenzaming. Het is zeker voor veel oudere mensen op veel vlakken geen makkelijke tijd geweest. Heeft mijn vrijzinnige humanistische levensovertuiging geholpen? Moeilijke vraag om dit in een kort betoog grondig te beantwoorden. Toch ben ik van mening dat ik hier positief kan op antwoorden. Vrijzinnigen huldigen het principe van het vrij onderzoek, verwerpen dogma's en gezagsargumenten bij de opbouw van hun overtuigingen en erkennen geen ander moreel gezag dan de mens zelf. Als mens die zich vrijzinnig benoemt, is het zo dat een rationele benadering met vertrouwen in de wetenschap, het wetenschappelijk onderzoek en het voortschrijdend inzicht voorop staat. Een bevraging in mijn omgeving met de vrijzinnige medemens, gelijkdenkenden dus, bevestigde grotendeels deze houding. Toen de samenleving 2 jaar geleden op slot ging, werd dit meteen serieus genomen en begrepen we dat de maatregelen volgen belangrijk was, dat voorzichtigheid geboden was, zeker gezien onze leeftijd en in mijn en vele gevallen van leeftijdsgenoten ook als mogelijke risicopatiënt. Besmetting vermijden was de boodschap en de informatie daartoe van de overheid was zeer welkom en bruikbaar. De beslissingen vanuit de overheid werden kritisch beluisterd, maar werden goed opgevolgd in het algemeen. De expertise, door de expertengroep, zij zijn de wetenschap, werd aanvaard. En gelukkig zijn er dan zeer snel vaccins ontwikkeld, wat erger heeft voorkomen. Dit is louter dankzij de wetenschap, het wetenschappelijk onderzoek en uiteraard ook dankzij de vlugge politieke beslissing om te investeren in deze uitgebreide gratis vaccinatiecampagne. Intussen stonden en staan we versteld van de meningen, ideeën, overtuigingen van veel van medeburgers die maar blijven doordrammen over de inperking van hun vrijheid. Van het vele fake news nieuws, van de pogingen van sommigen om deze crisis aan te grijpen om eigen doelstellingen door te drukken. Als humanist hebben we dit dikwijls als zeer ontgoochelend en beschamend ervaren om dit in onze zeer welvarende wereld te moeten aanhoren. Welvarend, ja. In welk deel van de wereld werden er immers zoveel financiële compensaties voorzien? Toegegeven, dit kon niet alle verlies dekken, maar ondersteunend was het wel. Het begin van de pandemie was een wake-up call. Die is zeer snel weggeëbt en business as usual nam het roer opnieuw over, met elkeen zijn eigen kleine gelijk. We hebben een kleine glimp gezien van hoe onze wereld er zou kunnen uitzien, zonder smog, zonder stress, met respect voor elkaar. Hoe mooi en menselijk kan het zijn? We moeten voorkomen dat het probleem mens zichzelf zal oplossen. Ik refereer hier naar de klimaat- en milieuproblematiek, waar dringende gedurfde ingrepen noodzakelijk zijn. Als vrijzinnig humanist zijn we onze eigen zingever. We zijn zelf schepper en drager van moraal. En we dragen dus zelf de verantwoordelijkheid om het goede te doen en een betere wereld te maken. Ik dank u voor uw aandacht. Dank u wel, mevrouw Fiers, om ons er nog eens aan herinnerd te hebben hoe miraculeus, zou ik zeggen, al is dat niet uw woord geweest, de ontwikkeling van die vaccins door onze wetenschapslui is geweest en hoe belangrijk die was voor het feit dat wij hier nu samen zitten. J'ai l'honneur d'inviter madame Sakina Malghem à la tribune pour nous faire un témoignage partant de sa conviction musulmane.
Vos Altesses royales, Madame la Présidente, Messieurs et Mesdames, en vos titres et qualités, je crois difficilement que vous pouvez difficilement imaginer l'honneur que je ressens de m'exprimer sur le thème dans cette enceinte prestigieuse du Sénat. Je tiens d'ailleurs à remercier celles et ceux qui m'ont choisi pour représenter notre conviction de religion. Pour moi, petite musulmane ordinaire de Belgique, que rien ne prédestinait à me retrouver à cette tribune, en effet, avant de vous parler du thème central de ce colloque, il faut que je vous dise quelques mots de mon parcours personnel. Je viens au monde en 1951, dans un petit village entre Mons et Tournai. Je suis cinquième des fratries de six. Mes parents, de conviction chrétienne, vivant leur foi dans la discrétion, je fais le parcours classique d'une jeune chrétienne. Communion à 11 ans, confirmation à 12 ans, scolarisation dans le réseau catholique. En 1965, je rencontre l'homme qui est toujours à mes côtés aujourd'hui. Belaïd vient de loin, de très loin, en tout cas l'impression que je ressentais à l'époque. Il est né et a vécu la première partie de sa vie dans les montagnes arides du sud du Maroc. Notre rencontre, il faut le dire, est un peu inhabituelle pour l'époque. Malgré tout, contre vents et marées, en 1966, nous décidons d'unir nos vies. Mon mari peut le confirmer, j'ai toujours soutenu dans sa foi et sa pratique religieuse à l'époque. Pourtant, je restais chrétienne, mais ça a toujours été évident pour moi que nos cinq enfants seraient élevés dans la foi musulmane. Petite fille, je n'avais jamais imaginé rencontrer l'islam, ma foi, mon amour pour cette religion sont nés et ont grandi pas à pas. C'est en 1986 que Josette deviendra Sakina. Je franchis le pas décisif, je me convertis et j'embrasse l'islam. L'un des éléments qui m'ont le plus influencé à ce choix important, c'était une envie profonde qui me tenaillait de plus en plus, l'envie d'accomplir le pèlerinage à la Mecque. J'effectuerai ce voyage, ce pilier de notre religion, en 1995. Il n'y a pas assez de mots forts pour décrire le bouleversement profond que cette démarche a enduit en moi. Dès lors, je me suis énormément investie avec d'autres sœurs de notre mosquée Arayan de Neder-Overombeek, cours, conférences, organisation de repas, partage de ces investissements collectifs sont indispensables au bien-être spirituel. Hélas, depuis 2 ans, la crise du Covid a complètement bousculé les habitudes de notre groupe de femmes musulmanes. Fini les prières collectives, les dars, les doros, fini le mois de Ramadan en communauté. Alors que ce mois-là est pour nous excellent pour les échanges, il a fallu vivre seul avec mon mari. Et si j'apprécie toujours autant la compagnie de mon cher Belaïd, je dois reconnaître que la privation de ces moments collectifs a été particulièrement difficile à vivre. Ils sont nécessaires dans notre foi, quelque chose qui s'entretient. Bien sûr, la foi peut s'entretenir d'une façon intime, dans la profondeur de chaque âme, mais cela demande à coup sûr davantage d'efforts. Malgré tout, je réussis à m'investir dans la préparation des repas que nous avons distribués aux personnes dans le besoin. Vous l'entendez, l'influence du confinement sur ma façon de vivre ma foi n'a rien d'exceptionnel. Mon expérience n'est pas différente de celle de la plupart d'entre vous. Reste à espérer que cette crise est maintenant derrière nous. Aujourd'hui, la folie meurtrière de certains font planer au-dessus de nos têtes un danger d'une autre dimension. Prions pour que la sagesse et la paix l'emportent
sans tarder. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci, Madame Sakina Malguem, pour votre témoignage personnel et de votre parcours personnel qui nous a enrichis dans la connaissance de nos frères et sœurs musulmans. Als laatste spreker mag ik nu uitnodigen het woord te nemen de heer Patrick Burns uit de Anglicaanse gemeenschap. Monseigneur, mevrouw de voorzitter, ministers van staat, deelnemers aan dit colloquium. Ik ben u dankbaar voor de gelegenheid om hier voor jullie te spreken over hoe mijn geloof als Anglicaans christen mij door de coronacrisis heeft geholpen. Ik was ook wat verbaasd in zulk eminent gezelschap. Ik ben namelijk geen theoloog of filosoof. En om eerlijk te zijn, ik dacht ook niet zoveel na over mijn geloof of over mijn beleving van mijn geloof. Maar ik heb nooit het gevoel dat God er niet is voor mij. Ik beschouw God een beetje als een reisgezel die altijd nabij is en die meeloopt op mijn pad door het leven. Never alone, nooit alleen. En ik denk ook steeds aan wat onze leermeester Jezus zou gedaan hebben. Hoe zou hij met deze crisis zijn omgegaan? Zou hij niet zijn naasten en medemensen beschermd hebben, zoals een herder zijn schapen? Ik geloof sterk in het voorbeeld dat hij ons gesteld heeft. En ik probeer dat in het dagelijks leven zoveel mogelijk te volgen. Of er nu een pandemie is of niet. Heb u naaste lief zoals uzelf, zorg voor elkaar, zoals je zelf voor gezorgd zou willen worden. Help elkaar en steun elkaar en sta ten dienste van uw medemens. Wees bescheiden en behulpzaam, geloof in elkaar en geloof in wat God ons gegeven heeft. Sta positief in het leven en doe wat je kan om anderen te beschermen. En in deze ongekende crisis was wel één ding duidelijk van bij de aanvang van de crisis. De beste manier om elkaar te beschermen was net om niet fysiek bij elkaar te zijn. En het was moeilijk ook voor mij om familie, vrienden of mensen uit onze geloofsgemeenschap niet fysiek te ontmoeten en niet samen te kunnen zijn. Maar het besef dat dit altijd was om mensen waar je om geeft te beschermen, was voor mij voldoende om dit vol te houden. Elkaar niet fysiek zien betekende niet dat plots iedereen uit mijn leven verdwenen was. Zeer snel ook werd in onze gemeenschap overgeschakeld naar een andere vorm van samen zijn. Door de creatie van onze wekelijkse online diensten, met nieuws van wat er te gebeuren stond in onze gemeenschap en met bijdragen van allerlei mensen binnen onze groep, bleven we steeds op de hoogte van het reilen en zeilen binnen onze gemeenschap. We hebben ook een digitaal koor opgezet, waar ik als lid ook mijn bijdrage kon inzingen, wat voor mij ook zeer belangrijk was. Zo kunnen we ondanks alles toch samen zijn en samen bidden en zingen, zelfs op afstand, betekende voor mij een enorme steun. Het hielp mij ook mijn geloof bestendigen en gaf mij het gevoel steeds deel te maken van die grote geloofsgemeenschap. Never alone. De stilte in de lockdowns bracht voor mij ook bezinning en reflectie. En heeft mij ook nog meer doen beseffen dat wij hoeders zijn van Gods schepping. Ik geniet nog elke dag van de natuur om ons heen en ik weet vele anderen ook met mij. Een ander punt waarmee ik afsluit is het wat mij ook hielp gedurende de pandemie, is de golf van solidariteit.
alle mensen samen de hoop en vreugde uitstralen. En dat is iets dat mij met vreugde vult als christenmens. Dank u. Dank u wel, meneer Burns. Om ons er nog eens aan te herinneren dat we allen tijdens deze pandemie hebben opgekeken naar de referentiefiguur uit onze overtuiging of eredienst. De ene naar Christus, de ander naar de profeet, een ander de woorden van Boeddha opnieuw overwogen of nagedacht vanuit de eigen rationele overwegingen hoe we met deze pandemie moesten omgaan. Beste vrienden, mes chers amis, après la pause café, nous allons écouter vos questions. Et les intervenants de ce colloque vont essayer d'y apporter des réponses. De bedoeling is uitdrukkelijk om alleen vragen te stellen over het thema van dit colloquium. Hoe hebben jeugd en senioren in ons land de lockdown beleefd en in hoeverre was hun religieuze of filosofische overtuiging en of spiritualiteit een bron van inspiratie? Nos questions et réponses vont donc se limiter au thème de ce colloque. C'est important. Hoewel er veel andere thema's zijn waarover we het zouden kunnen hebben, gaan we dat uitdrukkelijk niet doen. En om dat vragenuurtje zo goed mogelijk te laten verlopen, hebben we briefjes gemaakt waarop u uw vraag kan noteren, zodat we uit die vragen de belangrijkste vragen kunnen selecteren, bij elkaar brengen en dat wat kunnen structureren. Vous pouvez dès lors nous demander une de ces petites cartes et un stylo pendant la pause café. Madame Stakhanov des services du Sénat, Monsieur Jean-Paul Procureur, anciennement membre du Sénat et moi-même, nous en avons. Et vous pouvez y noter votre question ainsi que la personne ou les personnes auxquelles vous voulez adresser votre question. Et voilà, maintenant, mes papiers se mélangent. Probeer daarbij kort en bondig te zijn. Het is niet de bedoeling om nog lange uiteenzettingen te houden. We herbeginnen om 16:30. De minister neemt het woord om 17:00. Tout ceci dit, je vous invite maintenant à vous lever pendant que le prince Laurent et la princesse Claire se rendent à la buvette du Sénat de ce côté-là avec leurs invités. Ces invités sont tous ceux qui ont pris la parole pendant l'heure et demie que nous avons passée ensemble. Tout autre participant peut aussi se lever et nous suivre de l'autre côté pour prendre le café ou un verre d'eau en bas au péristyle. Merci et tot straks over een half uurtje. Zijn of niet, maar ik ga niet. Het is zo lekker, met de Dalai Lama. Ja, en je mag de stilo even wegkrijgen.
Y a-t-il encore quelqu'un qui avait préparé une question? Est-ce nog iemand die een vraag al klaar had? Encore des questions que je peux... Kan ik nog wat vragen ophalen? Dames en heren, willen wij opstaan voor de minister en de prins en de prinses. Monseigneur, mevrouw, meneer de minister, wij hebben een goede anderhalf uur lang naar verschillende getuigenissen geluisterd over hoe senioren en junioren de periode van de lockdown hebben beleefd. On a entendu des témoignages venant de divers convictions philosophiques ou religieuses. L'heure est maintenant à la parole de vous tous. Pour des questions qu'on peut poser aux intervenants, qu'on peut se poser mutuellement, ouvrons le débat, essayons ensemble de s'enrichir. Ik nodig jullie uit, er waren briefjes om vragen op te schrijven, maar iedereen was zo blij om ook eventjes van gedachten te kunnen wisselen dat niet iedereen met die briefjes is bezig geweest. Dus ik stel voor dat we zo spontaan mogelijk het debat proberen te openen. Ik begin alvast met een eerste vraag. Een vraag van Christine, die actief is in de gemeenschap van Sant'Egidio, dus in de katholieke kerk, et qui se pose la question, je vais la lire en français, mais non, je vais passer le micro à Christine, elle va poser sa question en français, en néerlandais, on ne sait jamais. Voilà, bonjour, non, merci beaucoup pour tous les beaux témoignages pleins d'espoir de tout à l'heure. Moi, je me posais la question, malheureusement, il y a beaucoup de personnes âgées qui n'ont pas la chance d'avoir cette spiritualité, cette foi. Comment est-ce qu'on peut faire pour les atteindre, pour qu'eux aussi puissent vivre cet espoir que, et cette force que nous donne la foi? Est-ce qu'il y a un des jeunes qui, Eric par exemple, ou Anaïs, qui voudrait bien prendre la parole et répondre à cette question qui est assez pertinente. Que fait-on pour les gens d'un certain âge qui étaient isolés et qui ont quitté ce monde, qui ont vécu cette pandémie seuls, sans ses proches, mais aussi sans le réconfort d'une conviction ou d'une religion? Eric, Anaïs. Merci beaucoup. Donc, pour ma part, je dirais que la meilleure façon d'atteindre les autres, c'est plutôt pas l'action. Plutôt, on a tendance à faire des discours, mais je pense que les actions parlent plus que des mots. Donc, en vivant notre foi au quotidien, on pourrait atteindre et même toucher beaucoup plus de gens. En vivant tout simplement notre foi au quotidien. Voilà. Moi, je dirais que c'est complémentaire à ce que vient de dire Eric, c'est d'être à l'écoute de leur vie, de leur témoignage. On a eu des témoignages poignants aujourd'hui de personnes plus âgées que nous. Je crois que c'est une force aussi qu'on peut recevoir d'eux. Et avant tout, avant de parler de Dieu, je crois que la chose à faire, c'est vraiment d'être à leur écoute et vraiment de rentrer en lien et ensuite voir comment les rejoindre. Mais je crois que c'est une vraie clé aujourd'hui. On est dans un monde où on a beaucoup d'actions, beaucoup de semblants, de superficiels,
aller en profondeur dans la relation demande de l'écoute. Je sais par expérience, en tant qu'infirmière, en tant que responsable des pastorales des jeunes francophones pour l'Église catholique, que les jeunes aussi sont en attente de cette écoute, qui ils sont, qui ils peuvent être, de leurs questions, de leurs convictions. Et donc, voilà, je crois que c'est une force aujourd'hui qu'on peut offrir à la société dans laquelle on vit, de vraiment être à l'écoute de ces personnes et de s'enrichir de leur expérience de vie. Merci. Terwijl ik wacht op nog vragen uit het publiek, zal ik er zelf één stellen. Wij komen allemaal uit gemeenschappen en zijn daar actief. En wij hebben een ruime ervaring in de interreligieuze en interconfessionele dialoog. Maar ook die is met de lockdown grotendeels stilgevallen. Neem dit colloquium. We hebben allemaal al 2 data in onze agenda staan, want we hebben het moeten uitstellen. Omdat het niet ging in corona om elkaar te ontmoeten. Heeft de interreligieuze en interconfessionele dialoog geleden onder deze pandemie? Hebben wij elkaar nog gecontacteerd terwijl het eigenlijk bijzonder moeilijk was geworden? Ik ga misschien de vraag eerst stellen aan mensen die dagelijks bezig zijn met religieuze aangelegenheden. Ik zie Jack McDonald knikken. Wat betekent dat hij een antwoord in zijn hoofd heeft? Jack? Merci pour la question. Je sais que pour les chefs de culte et de la laïcité, on est là aujourd'hui avec grand plaisir, mais surtout pour écouter. Nous sommes à l'écoute. Et nous avons une tendance à prendre la parole, parfois même trop, si je parle de moi-même. Donc, je vais me limiter à quelques petites phrases. Je trouve que oui, en tant que quelqu'un qui est né britannique et qui est devenu belge suite à la catastrophe brexitaire, parmi les avantages, les immenses avantages du système public et légal en Belgique, est le fait qu'il y a plusieurs cultes et organisations philosophiques reconnues. Donc, c'est vrai qu'avant la pandémie, on avait tendance, et nous étions entre guillemets, en quelque sorte, obligés à s'entretenir, à s'entreparler, et ça m'a beaucoup manqué. Ça m'a beaucoup manqué. Je suis entouré ici par mes amis, pour être un peu vulgaire, par mes potes, par mes amis, par mes copains, par mes homologues, par mes collègues. Et le fait que être privé de ce dialogue très important, très fondamental, pendant 2 ans, ça souligne l'importance habituelle de ce même dialogue. Donc, je suis ravi d'être là aujourd'hui. Et maintenant, je vais m'arrêter parce que sinon, je vais continuer pendant trop longtemps. Je vois que le secrétaire général de la conférence des évêques voudrait aussi encore intervenir sur le même point. Monseigneur Cozijns, u heeft het woord. Ik veronderstel dat deze micro gaat, want ik wou aansluiten bij wat Jacques Noldal zegt. Tijdens deze pandemie hebben we veel, veel met elkaar gepraat, digitaal, maar over de maatregelen die de religies en de vrijzinnigheid moesten navolgen, te discussiëren wat zo mogelijk was, dat niet mogelijk was. Ik denk dat de interreligieuze dialoog en de dialoog met de levensbeschouwingen niet geleden heeft daaronder. Integendeel, we zijn er eerder naar elkaar toegegroeid, als dat uw vraag is. Dat was mijn vraag, maar nu hoor ik het van de professionals. En voor ik nog even op een vorige vraag terugkom, zou ik dezelfde vraag toch nog even willen voorleggen aan minder professionals. Ik zal het aan de jongeren daar vragen. De religieuze, interreligieuze en interconfessionele dialoog. Ça marche en corona? Ik denk dat het niet altijd even vanzelfsprekend was. Omdat soms als mensen niet met elkaar willen praten, mensen samenbrengen is sowieso al moeilijk. Ik denk dat vorig jaar op de VUB dat we dat wel hebben blijven proberen. Maar ja, alle activiteiten waren online. En dan is het toch moeilijker om publiek te lokken en om verschillende meningen samen te brengen. Dat was vooral het moeilijkste.
Want degene die je dan op de activiteiten kwamen, die dan online waren natuurlijk, dat waren vaak degene die ook dezelfde mening hadden. Dus mensen met verschillende meningen samenbrengen was niet altijd even gemakkelijk. Nous sommes donc très contents de ce nouveau départ post-pandémie. Nous revenons à la question de Christine, parce qu'elle a interpellé le prince Laurent. Que faire avec les personnes isolées et qui n'ont peut-être pas ces convictions ou qui n'ont pas ce soutien de communauté? Le prince Laurent voulait intervenir. Alors, vous faisiez allusion qu'il y avait des professionnels et des non-professionnels, donc je me mettrai dans les non-professionnels. Je voudrais, parce que je pense qu'à mon âge, je peux aussi apporter une conviction et une expérience. Et l'expérience que je fais, qui restera gravée tout le temps dans ma mémoire, c'est avoir, pendant toutes les périodes difficiles, d'avoir lu sur des gens extrêmement simples, qu'on appelle aujourd'hui les mystiques, et qui ont dû survivre tout seuls à des problèmes insurmontables, des maladies inguérissables, des tristesses, des choses bien pires que la pandémie, parce qu'ils étaient seuls et isolés. Et je vous invite, j'invite tous ceux dans cette pièce, sans imposer quoi que ce soit, mais à lire sur l'histoire des mystiques. Et les mystiques, je répète encore, ce sont des gens d'une simplicité qui ont vécu, qui vivaient seuls, qui avaient des familles pauvres, et qui devaient vraiment, pour solutionner leurs problèmes, s'inspirer d'une conscience qu'ils avaient en eux-mêmes. Et je ne veux pas vous en dire plus, mais j'ai trouvé également beaucoup d'inspiration dans ces gens magnifiques, qui étaient des hommes et surtout des femmes. Voilà, merci. Dank u, monseigneur, om ons eraan te herinneren dat er in al onze tradities mystieke stromingen zijn, waar we vaak heel diepe inzichten in terug kunnen vinden. Ze zijn wat moeilijker te doorgronden, moeilijker te vinden. Je moet er tijd voor nemen. Het was zoals Kar zo pas zei, eindelijk eens van de rust gebruik maken om terug te grijpen in de tradities van het soefisme, de tradities van de christelijke mystiek en ook trouwens tradities van humanistische denkers die heel diepe, eenvoudige geschriften hebben nagelaten over het leven zoals het is, ook in moeilijke omstandigheden. Merci pour ce témoignage. Est-ce qu'il y a encore une dernière question à poser et à faire partager les autres avant que nous cédons la parole à Monsieur le ministre? Je cède la parole à le président du consistoire. Merci beaucoup. Je voudrais dire que la pandémie n'a pas amené que des éléments négatifs. Elle a aussi amené une solidarité sociale entre tous les citoyens. Il n'y avait pas les juifs, il n'y avait pas les chrétiens, il n'y avait pas les musulmans, il n'y avait pas les laïcs, il y avait tous les citoyens. Et ça, c'est extrêmement important. Et il y a eu une solidarité entre tous, parce qu'en réalité, au-delà du fait religieux, de l'appartenance religieuse, il y a l'obligation éthique qui nous appartient à tous, quelle que soit notre apparence religieuse ou non religieuse. Merci beaucoup. Merci, Maître Markevitch. Wil ik, voilà, het woord aan de jeugd en de dames geven. Dan pas kunnen we afsluiten. Ik had nog een vraag aan inderdaad ook de meer ervaren, de mensen die dagelijks bezig zijn met het geloof, priesters of voorgangers. Mijn vraag is, waarin kan u de vrede en de rust vinden in heel deze chaos, in heel de onrustige periode waarin we ons bevinden in crisissen? Ik zou graag van jullie wijsheid willen genieten om te weten hoe dat ik tot rust kan komen. Comment se construire sa propre paix dans un monde en turbulence? Et c'est Emma, je crois. Hein? C'est Emma, votre nom. Erin. Erin, excusez-moi.
pose la question à un sage entre nous. Père Psalas, vous vous considérez comme un sage? Vous êtes considéré comme un sage. Voilà, ok. Non, absolument pas. Je ne pense pas être le sage. Je crois qu'il y a d'autres personnes plus sages que moi. Moi, personnellement, pour répondre à ta question, ne pas avoir confiance, c'est simplement ne pas croire en Dieu. Chaque fois que j'ai un doute sur ce qui m'entoure, ce qui m'arrive, c'est que je perds ma foi en Dieu. Donc, à partir de ce moment-là, je remets en question, je me dis, et ta foi en Dieu? Donc, croire en Dieu, pour moi, me donne la force de pouvoir, à chaque moment, chaque instant, me tenir debout et faire face. Je répondrai simplement à cela. Ça, c'est pour moi la force. Merci. Voilà, on avait dit qu'on allait donner la parole finale à une dame, parce que ce Sénat fête le fait que nous avons trop longtemps attendu d'intégrer la moitié de la population dans nos réflexions. Faisons-le à pleine force cet après-midi et je voudrais donner la parole à Madame de Keyser pour une dernière réflexion avant de céder la parole à Monsieur le ministre pour son discours de clôture. Je vous remercie. Je voudrais rebondir sur ce que Philippe nous a dit à propos de cette solidarité qui était omniprésente durant cette période, et une solidarité entre les cultes et les convictions, mais une solidarité aussi avec tous les citoyens. Mais je pense qu'il y a quelque chose de plus qui nous a unis tous, c'est cette extraordinaire proximité de la mort qui était omniprésente à tout instant. Nous appartenons à une génération, j'appartiens à une génération qui n'avait jamais vu mourir autant subitement. Et je suis née à la fin de la guerre. Et je pense que cette construction de la mort qu'on a dû faire, c'est-à-dire de lui donner un sens que l'on croit ou que l'on ne croit pas, ça a été pour moi l'apport essentiel de cette pandémie. Vous savez, nous avons, nous, beaucoup travaillé sur la question de l'euthanasie. On a sorti, par exemple, un film bouleversant sur les mots de la fin, faisant, même quand on pense à l'euthanasie, quelque chose qui est une construction à faire, une dernière construction de vie, c'est d'aller jusqu'à la mort comme ça. Alors, peu importe la façon dont on va vivre la mort, que ce soit en croyant au ciel ou en n'y croyant pas, il y a moyen d'en faire une étape bouleversante de vie. Ce qui m'a le plus frustrée, j'en termine là, par rapport aux situations dans les maisons de repos. Moi, je suis psychologue, j'ai fait des entretiens avec des gens qui se laissaient glisser vers la mort pendant toute la pandémie. Et je ne pouvais pas, parce que le téléphone ne remplacera jamais le contact humain, je ne pouvais pas avec eux construire ça comme un moment de vie. Et là, je trouve ça d'une injustice qui me bouleverse encore aujourd'hui. Mais je crois que ce n'est pas parce que je suis laïque que je pense comme ça. Je crois que d'autres qui croient en leur Dieu ont pensé exactement la même chose. Et ça, nous ne pouvons pas nous permettre de refaire encore cette faute si la pandémie rebondit encore une fois. Voilà un mot de femme pour la fin. Merci, Madame de Keyser. Dank u wel voor deze diepzinnige slotbeschouwing. Monseigneur, mevrouw, meneer de minister, une assemblée comme celle-ci n'a pas l'habitude de terminer ses travaux avec une résolution ou un texte qui doit être voté. Nous écoutons, nous débattons, échangeons des idées et continuons par après notre route avec la conviction que ce rassemblement est un élément important dans cette route. Wij waren heel blij deze namiddag, heel dankbaar dat de Senaat ons hier heeft willen ontvangen.
Nogmaals dank aan mevrouw de voorzitter. De diensten zullen dat ongetwijfeld nog doorgeven. Mevrouw de voorzitter moest ergens anders naartoe. Dank u wel aan koninklijke hoogheden om hier koning Albert en koningin Paola te hebben vertegenwoordigd, maar er toch ook zelf bij geweest te zijn. Want hier zitten dus vier koninklijke gasten vooraan. Dank u voor uw steun voor deze manifestatie. Meneer de minister, het was een boeiende namiddag en we waren blij elkaar terug te vinden. Maar wij zijn ook bijzonder blij dat u bij ons bent om als verantwoordelijke minister van Justitie de verzamelde erediensten en erkende filosofische overtuigingen van dit land toe te spreken. Dank u. Monseigneur, mevrouw, ereministers van staat, vertegenwoordigers van de verschillende erkende en te erkennen levensbeschouwingen van ons land, dames en heren, jonge mensen, mesdames en messieurs, het is een plezier om hier terug te zijn. Ik ben mijn politieke carrière gestart in de Senaat in 1999. Dat is intussen 23 jaar geleden. Ik heb toen 4 jaar deel uitgemaakt van de Senaat. Ik heb hier mijn politieke sporen verdiend. Ik was een jonge man toen, nauwelijks 25. Maar het is wel de plek waar ik de politiek heb geleerd en waar ik heb geleerd te contempleren. Goede mensen, terwijl ons land herstelt van de naweeën van de coronapandemie, staat één iets als een paal boven water. COVID maakte geen onderscheid tussen religieuze en filosofische overtuigingen. En het klopt dat de wetenschap ons goed geholpen heeft in de strijd tegen het virus. Maar de mensen hadden ook nood aan een ander medicijn. Een geestelijk medicijn. Namelijk het geloof en de overtuiging. En dat geloof en die overtuiging waren het vaccin tegen eenzaamheid, kwetsbaarheid en egoïsme. En dankzij jullie inzet hebben heel wat jonge mensen, kwetsbaren in de woonzorgcentra, senioren en alle anderen hoop, doorzettingsvermogen en kracht gevonden. Mensen hebben inderdaad, zoals u het zei, in corona de handen in elkaar geslagen om naasten, maar ook onbekende hulpbehoevenden te steunen in moeilijke tijden. En dat is bewonderenswaardig. Sta me even toe om terug te blikken op de weg die we samen hebben afgelegd. Herinner u december 2020. Na een lange sluiting mochten de gebedshuizen en de vrijzinnigencentra opnieuw hun deuren openen, weliswaar voor beperkt publiek. En samen met jullie spraken we de voorwaarden af onder de welke we dat konden organiseren. Dat was een goede zaak. In februari van vorig jaar hebben we een buitenplan uitgewerkt. Ook daar hebben we moeten zoeken naar creatieve oplossingen. En, eerlijk, ons land had hier geen tradities in. Enkele diensten en specifieke jaarlijkse tradities werden in open lucht gehouden of virtueel georganiseerd. Gelovigen en andersdenkenden bevonden elkaar terug tijdens gesprekswandelingen, diverse solidariteitsacties en virtuele platformen met tal van mogelijkheden. Waar een wil is, is altijd een weg. En in de zomer van vorig jaar was er opnieuw meer mogelijk. Het binnenplan werd samen met jullie uitgewerkt en vastgelegd. En opnieuw, het was geen makkelijke opgave, maar ook daar zijn we in geslaagd. Uiteindelijk hebben we recent alle beperkingen gebannen en we beleiden ons geloof en onze overtuiging opnieuw als vanouds. Nu zijn we hier om samen lessen te trekken. Door samen te werken hebben we heel wat mogelijk gemaakt. Steeds met respect voor elkaars overtuiging en gebruiken. En dat was nodig, want verbondenheid en solidariteit waren cruciaal om hier samen door te geraken. Het devies was, we houden afstand, maar we laten niet los.
En dat heeft de mensen extra veerkracht gegeven om door deze crisis te geraken. En die veerkracht vinden we ook in ons geloof, wat voor veel mensen een houvast was in moeilijke tijden. Op dagen waarin we afscheid moesten nemen van onze geliefden in een heel beperkte kring. Dagen waarop we zieken niet konden fysiek bijstaan aan een ziektebed. Dagen waarop het blijdschap bij rituelen van geboorte, doop en huwelijk niet konden vieren in een grote groep. Dan vonden veel mensen troost in verbondenheid van het geloof. Et la guerre en Ukraine a également démontré que, en cas de besoin, les différentes religions et confessions peuvent coopérer de manière souple, flexible et humaine, puisque nous sommes, hélas, confrontés à un nouveau défi. Des personnes innocentes sont victimes de violations du droit international et sont contraintes de fuir leur foyer. Le fait que toutes les convictions philosophiques reconnues en Belgique condamnent d'une seule voix l'invasion de l'Ukraine montre une fois de plus combien la coopération entre vous est intense. Les membres de vos différentes communautés religieuses et laïques font preuve d'une solidarité fantastique. Grâce à votre mobilisation, les victimes et les réfugiés peuvent bénéficier d'un soutien et, dans la mesure du possible, d'une aide effective. Cette solidarité prouve que toutes les religions et convictions placent le bien-être des autres êtres humains au premier plan. Vous veillez également à ce que les informations relatives à la guerre soient vérifiées et rectifiées lorsque vous constatez qu'elles sont incorrectes. En effet, mes collaborateurs ont pu compter sur les éclaircissements détaillés fournis par la communauté orthodoxe qui, historiquement, est étroitement concernée par la problématique. Goede vrienden, als we iets geleerd hebben uit de verwikkelingen van de afgelopen jaren, of het nu corona was, of de oorlog in Oekraïne, of alle uitdagingen die nog op ons afkomen, dan is het dat we elkaar nodig hebben. Laat het duidelijk zijn dat ik jullie inspanningen, jullie openheid en flexibiliteit heel erg op prijs heb gesteld. En dat ik er met de mensen van justitie alles aan zal doen om de goede samenwerkingen te bewaren en te ondersteunen. Door samen problemen aan te pakken en te overleggen, komen we tot oplossingen en goede resultaten. Un grand merci. Een oprechte dank aan elk van u. Dank u wel. Dank u wel, meneer de minister, voor uw bemoedigende woorden. Je peux vous dire, après consultation des têtes de culte et présidents des dénominations philosophiques de ce pays, qu'il réitère avec grand plaisir les remerciements. Ik heb zo pas eventjes het rijtje afgegaan. En er werd mij bevestigd dat de samenwerking met u en met uw diensten in deze coronaperiode bijzonder correct is verlopen. En dat men u daar bijzonder erkentelijk voor is. Dank u voor uw hartelijke woorden. Dank u voor de steun aan onze onderlinge samenwerking. Dank u voor uw aanwezigheid. Mesdames et messieurs, je peux vous remercier pour votre présence et votre participation à ce colloque au nom des présidents, représentants de nos différents membres du FIDIF. Et c'est donc au nom de Maître Philippe Markiewicz, président du consistoire israélite de Belgique, du chanoine Jack MacDonald, des Anglicans de Belgique, et naam ook van métropolite Athénagoras van het Ecumenisch Patriarchaat, die verantwoordelijk is voor alle orthodoxe denominaties in ons land. Het is in naam van de co-voorzitters Steven Fuiten en Geert Lorijn van de protestantse en evangelische christenen in ons land. Het is in naam van professor Freddy Mortier van De Mens Nu
et de Madame Véronique de Keizer du Centre d'Action Laïque. Het is in naam van Monseigneur Guy Arpini, qui représente ici la Conférence épiscopale de Belgique, en van meneer Mehmet de Stoen, die voorzitter is van de moslim-executieve van België. En zoals u er terecht aan herinnerd heeft, ook in naam van de heer Carlo Luijks, die hier de vertegenwoordiger is van de te erkennen filosofische overtuiging, zeg ik het juist? Ik zeg het juist. Dat wij u allen zeer hartelijk danken voor uw deelname aan dit colloquium en dat wij hopen u hier, of elders, maar waarom niet hier, want het is hier aangenaam, opnieuw te zien. Merci pour votre présence, merci pour votre participation active et une bonne continuation. J'invite le couple royal, le couple princier, à saluer, après cette conviction et une à reconnaître, on commence à confondre, à saluer nos représentants des convictions et des cultes. Et après, nous allons vous accompagner à la sortie et le reste du public va pouvoir quitter le Sénat. Merci en tout cas, Monseigneur, Madame, de votre présence. On a quand même un petit buteur qui a 160.